Abemus Papam. Bien, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la séance du Conseil départemental du 3 novembre 2020. Je vous propose de désigner Patricia Vincent comme secrétaire de séance. Et je vais lui proposer de procéder à l'appel. Présent. Guy Blanc, Joël Bonatou, Pascal Boyer, Marcel Cana, Carole Chauvet, Jean Coron, Marina Vizier, Bénédicte Ferrotin, Valérie Garcin et Méhoud, qui a donné pouvoir à Marcel Cana. Marie Bonne Grenier. Christian Hubeau, qui donne pouvoir à Ginette Mostachy. Marine Michel. Ginette Mostachy. Arnaud Murgia. Rémi Audou. Lionel Parra. François Spinet, qui a donné pouvoir à Gérard Tenoux. Aurélie Poyot. Patrick Ricou. Valérie Rossi. Bernadette Chaudemont, qui a donné pouvoir à Jean-Marie Bernard, Gérard Tenoux, Anne Truffem, Patricia Vincent présente et Marc Viossa. Merci. Mesdames, Messieurs les vice-présidents du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le directeur général des services, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux adjoints, Monsieur le payeur départemental, Monsieur le directeur du SDIS, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, décidément, les réunions de notre Conseil se suivent et ne se ressemblent pas. Ou peut-être un peu trop, je ne sais plus. Après la vague d'attentats qui a marqué le début de notre mandat en 2015, nous voilà aujourd'hui réduits à nouveau à un hommage que nous ne souhaitions pas, ni les uns ni les autres. Un hommage à Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie de 47 ans, qui travaillait dans un collège de la région parisienne et qui a été sauvagement assassiné le 7 octobre dernier. Il a payé de sa vie sa lutte quotidienne contre l'obscurantisme, en tâchant d'inculquer aux jeunes générations et au futur de la France les valeurs de la République et qui sont les nôtres depuis bientôt 2 siècles et demi. Des valeurs de liberté, à commencer par la liberté de penser et de s'exprimer, d'égalité et de fraternité. J'ai une pensée toute particulière pour sa famille, ses amis, ses proches, pour ses élèves également, pour ses consoeurs et confrères, pour la France, touchée une fois de plus dans ce qu'elle a de plus cher. Une pensée également pour les victimes de l'attentat de Nice de jeudi, de celui de Lyon de samedi et de celui de Vienne en Autriche hier soir. Une pensée aussi pour leur famille et leurs proches. Nice était encore profondément marquée par l'attentat du 14 juillet 2016. Et elle est à nouveau meurtrie par ce qui est en train de se passer. Je refuse en bloc toutes les formes de fanatisme, l'obscurantisme ambiant et la guerre qui est déclarée à la France, à ses valeurs, à sa manière de vivre et à son peuple. Je renouvelle aujourd'hui devant vous la foi que j'ai en notre République et en sa capacité à faire face à ces affronts. Je vous demande de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence.
Je vous remercie. Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent dans ce nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, cœur sans impur, abreuve nos sillons. Je vous remercie. La rentrée dans l'établissement scolaire a été marquée hier par un hommage général à Samuel Paty. Marie-Vonne Grenier était au collège Mauzan aux côtés des élèves et des enseignants. Je l'en remercie, comme toutes celles et tous ceux d'entre vous qui étiez dans l'établissement, afin de marquer notre attachement à notre République. Comme si cette conjoncture n'était pas suffisante, il a fallu que le virus refasse parler de lui à l'occasion de cette rentrée. Notre dernière réunion remonte à la fin septembre. Nous étions alors bien loin d'imaginer que nous en serions là où nous en sommes aujourd'hui. La pandémie est loin d'être terminée. La deuxième vague est déjà beaucoup plus importante que la première. Je salue toutes celles et ceux qui font en sorte quotidiennement qu'elle laisse le moins de traces possible. Leur tâche est immense. J'ai une pensée particulière pour nos petits commerçants, celles et ceux qui font vivre nos centres-villes et villages, qui ont déjà été affaiblis par le premier confinement et qui sont à nouveau frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Frappés aussi par des inégalités de traitement, puisque les fermetures de commerces sont à géométrie variable. Le Premier ministre a demandé que certains rayons de la grande distribution soient fermés afin de limiter cette concurrence. Est-ce que ça sera la bonne solution ? Ce n'est certainement pas la fermeture des rayons de la grande distribution qui va permettre aux commerçants locaux de réaliser leur chiffre d'affaires. J'en appelle donc à plus de solidarité, de réflexion et surtout de bon sens pour permettre à nos petits commerçants de travailler. Une réflexion est engagée par la Chambre de commerce et d'industrie et j'en remercie. J'ai échangé avec son président Éric Gorde, pas plus tard qu'hier, et nous partageons les mêmes positions. J'ai également signé la tribune proposée par le président du groupe DCI de l'Assemblée des départements de France, François Sauvadet, demandant au gouvernement de revoir sa copie. Vous avez constaté en arrivant que cet hémicycle a été équipé de nouveaux moyens de protection. Je veux encore une fois être très clair à ce sujet. Le virus ne doit en aucun cas empêcher notre institution de fonctionner comme l'a toujours fait, de manière démocratique et aussi transparente que les plexis que vous avez autour de vous. Elle doit fonctionner, cette maison, pour remplir ses missions habituelles, au service des Hauts-Alpins et bien plus encore. Comme au printemps dernier, notre action doit s'orienter vers la lutte contre la propagation du virus et doit permettre de compenser le plus possible les effets de cette crise sanitaire. Un certain nombre de délibérations sont inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, tendant à conforter et consolider le travail fait par certaines catégories de personnel. Je pense notamment à ceux du service d'aide et d'accompagnement à domicile, dont on parlera tout à l'heure. Il y en a d'autres. Le plus important aujourd'hui est que chacun soit à son poste et fasse tout pour lutter contre la pandémie. Notre réunion d'aujourd'hui prévoit également que nous débattions des orientations budgétaires que nous souhaitons pour notre département. Il s'agit, comme vous le savez, d'un exercice obligatoire pour les collectivités de la taille de la nôtre. Obligatoire et très utile, puisqu'il permet d'avoir une vision à moyen terme
sur les actions que nous souhaitons mener et sur l'état de nos finances. Patrick Rigaud, dans un instant, vous présentera l'évolution de nos finances depuis la dernière fois que nous nous sommes penchés sur ce sujet et ses conséquences pour nos projets. Lors du débat sur les orientations budgétaires de 2020, nous avions admis que le phasage de nos projets était nécessaire et qu'un bon moyen d'agir était de programmer nos interventions dans le temps. Il en est ressorti un plan pluriannuel d'investissement qui court jusqu'en 2025. Un plan ambitieux que nous avons commencé cette année avec une 60 millions investis. D'ici 2025, il faudra encore investir 300 millions d'euros. Il vous sera proposé ce matin de maintenir cette trajectoire en prenant connaissance des forces et atouts de notre département pour y parvenir. Et des éléments conjoncturels qui sont intervenus depuis l'an dernier et qui nécessitent un peu de vigilance de notre part. En ce qui concerne les grands domaines d'intervention et d'investissement dans les années à venir, l'accent sera porté sur la poursuite de l'aide au tiers. Environ 12 millions d'euros par an, afin de garantir un développement harmonieux à l'ensemble de nos vallées et de nos villages. Également sur la consolidation du réseau routier. Des mesures curatives et préventives doivent être prises dans certains secteurs au regard de leur situation géographique et de leur exposition aux risques naturels. Dans d'autres secteurs, comme le bassin Gapensé, c'est de la desserte du territoire dont il s'agira. Sur la transition énergétique également, avec des outils de production d'énergie renouvelable et une politique de sobriété énergétique pour les bâtiments. Quelques mots encore sur l'organisation de notre collectivité dans les semaines à venir. Comme en mars dernier, nous sommes confrontés à une double problématique. L'absolue nécessité de la continuité du service public et la nécessité de protéger notre personnel. Nos administrés vont avoir besoin de nous. Ils vont se tourner vers nos services pour être orientés vers des solutions à leurs problèmes, voire pour qu'on leur trouve ou qu'on leur fabrique des solutions. Le RSA a augmenté de près de 19% en 2020. Il y a de fortes chances pour que les guichets des maisons des solidarités soient sollicités dans les semaines à venir par des personnes en détresse ou dans le besoin. Le département sera là pour chaque Haut-Alpin qui en exprimera le besoin. D'un autre côté, les agents les plus fragiles du département, comme les personnels souffrant de maladies chroniques, doivent être protégés et ils sont invités à télétravailler. Un petit mot enfin à destination de Béatrice Chevalier. Cette réunion du Conseil consacrée notamment aux orientations budgétaires est votre dernière en tant que directrice générale adjointe du département. Je tenais par ces quelques mots à vous remercier pour tout ce que vous avez apporté à la collectivité et aux Alpins. Vous regagnez Briançon et le Briançonnais en tant que directrice générale avec un projet extrêmement ambitieux, celui de diriger à la fois la mairie et la communauté de communes du Briançonnais. Je connais vos capacités de travail et votre très grande compétence technique. Je ne doute pas un seul instant que vous serez à la hauteur de ce très beau challenge et que vous accomplirez de très belles choses aux côtés d'Arnaud Murgia. Bonne route, Béatrice, et merci encore. Je vous remercie. Monsieur Fromm a demandé la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'associe bien entendu à tous ces drames qui aujourd'hui nous touchent, que ce soit sur le plan sanitaire, mais encore plus sur le plan humain et sur le plan de l'islamisme que l'on voit ressurgir et qui nous pose d'énormes problèmes aussi bien en France qu'à l'étranger. Et face à ces problématiques, je m'associe à ce que vous avez dit tout à l'heure, mais bien entendu, je pense que demain, il va falloir que nous soyons extrêmement vigilants. Il y a le problème sanitaire, il y a le problème économique et il y a aussi le problème que nous rencontrons aujourd'hui avec ces attitudes qui est difficile aujourd'hui de classifier, qui se traduisent par des drames. Aujourd'hui, on n'en connaît pas toutes les origines, mais on constate une chose, c'est que le fanatisme prend le dessus
sur un certain nombre de personnes, et que là se traduit par des morts et surtout par une angoisse qui monte de plus en plus dans le pays et qui pourrait poser des problèmes dans l'avenir. Voilà, je ne dis pas plus pour l'instant, je reviendrai sur ces différents thèmes par la suite. Je vous remercie. La parole est à Madame Grenier. Merci, Président. Chers collègues, hier matin, la rentrée à la fin des vacances de la Toussaint a été très particulière. Comment pouvait-elle ne pas l'être, 15 jours après la décapitation d'un enseignant à la sortie de son collège, le jour du départ en vacances? Un professeur qui n'avait fait qu'exercer son métier, éveiller les esprits en soulignant l'importance de la liberté d'expression. Hier, j'ai eu la possibilité d'assister à un cours dispensé par un professeur d'histoire-géographie à une classe de 6e. Ce n'est pas une tâche facile d'amener les élèves à réfléchir sur la laïcité, la liberté d'expression, la haine, la violence, la tolérance, les règles de droit. En 1888, Jean Jaurès, dans le préambule de sa lettre aux instituteurs et institutrices, faisait référence à la responsabilité des enseignants. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Il distinguait aussi deux domaines, celui des croyances qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances qui sont communes et indispensables à tous. Comprendre ce qu'est la liberté d'expression est l'un des objectifs de l'école. La liberté d'expression autorise la critique. Les croyances personnelles doivent être respectées. La tâche des enseignants est donc bien ardue pour faire comprendre ces valeurs de la République, liberté d'expression et laïcité, sans heurter ni diviser. Apprendre à avoir du recul sur ce qu'on voit, apprendre à penser par soi-même, c'est développer son esprit critique. Les enseignants ont un vrai défi à relever, celui de rassembler. Et puis, le quotidien nous rattrape très vite. Continuer à être attentif aux consignes sanitaires, gestes barrières, cours du collège compartimentés pour éviter les regroupements, un autre défi. Merci. Monsieur Blanc. Je voudrais faire deux interventions sur des sujets différents, mais tout aussi préoccupants l'un que l'autre. Et si vous le voulez, je pourrais même faire une troisième intervention en fin de séance. Prenez votre temps. La Suède n'a jamais confiné. Pourtant, elle a le même nombre, le même pourcentage d'infections et le même nombre de morts proportionnellement au reste de l'Europe. Le taux de 20% de personnes testées hébergeant le virus est énorme chez nous. Il y a donc au moins 10 individus dans cet hémicycle qui ont un potentiel transmetteur. Mais on ne sait pas quel est le nombre de ceux qui ont fait une forme inapparente. La montée vers la généralisation est inexorable. Les avis autorisés et contradictoires des plus hautes sommités n'y opposent que des barrières passoires. Nous ne sommes pas en Chine, où, paraît-il, ils ont éradiqué le virus. Alors, je le disais la dernière fois, plutôt que d'emprunter et financer une économie que l'on met en péril, des milliards pourraient servir à conforter le système de santé. Le taux d'incidence est de 500 pour 100 000 personnes, ce qui veut dire que chaque jour, 300 000 personnes prennent le virus. Dans le même temps, un peu moins de 3 000 sont hospitalisées. Ce qui signifie que seulement moins de 1% des cas nécessitent une hospitalisation. Et lorsque nous aurons tous contracté le virus, 600 000 personnes auront été admises à l'hôpital, étalées dans le temps, ce qui justifierait le confinement.
Au regard des 13 millions d'hospitalisations par an pour les autres pathologies, on a la mesure de l'effort à faire pour augmenter les capacités hospitalières. Mais on va peut-être tous l'attraper avant que le vaccin soit disponible. En 9 mois, on a eu 37 000 morts. Il resterait 80% de personnes à contaminer, mais sûrement moins, puisque dans les testés négatifs, on englobe ceux qui ont déjà eu la maladie. On peut donc redouter 100 000 morts, ce qui est moins que les 400 000 prédits, sauf si on dispose du vaccin avant ce nombre. Ces calculs sont à la fois simples et compliqués, sûrement faux ou incomplets, comme toutes les statistiques, d'autant que je n'ai pas pris l'avis de M. Villani, ni même de Rémy. Reste à savoir si les mesures de confinement sont propres à ralentir le virus ou si elles sont illusoires, si on s'en réfère au modèle suédois. J'ai vu hier une caricature de M. Macron, extrêmement vieilli, qui invitait les Français à se confiner pour la 17e fois, ce qui suppose une réélection en 2022, 2027, 2032 au moins. À propos de caricature, Jacques Chulliard, historien, journaliste, professeur, syndicaliste, ancien membre du PS, écrivait hier dans Le Figaro « Les terroristes ont gagné la bataille de la peur ». Est-ce qu'ils ont gagné ? Quel professeur osera encore montrer des caricatures ou parler des travers de l'islam ? La liberté d'enseigner l'histoire ou les sciences de la vie n'existe plus depuis longtemps. Le rapport Audin le dénonçait déjà en 2004. L'autocensure, les pressions, la peur, déjà présents, vont s'accentuer, remplaçant l'autorité des enseignants. En effet, ils ont gagné puisqu'ils infiltrent l'école, l'administration, la police, la justice, le sport, les entreprises, les prisons de chaque côté de la barrière. Tel sous-préfet demande au boulanger de ne plus mettre de porc dans le traditionnel pâté lorrain. Tel autre demande des vestiaires séparés au sport, non pas entre filles et garçons, mais entre circoncis et les autres, les uncut, quand on n'a plus la peau. On retire aussi les petits cochons roses tournant sur les manèges. Pourquoi, depuis peu, s'est-on résigné à ne plus dresser des crèches dans les lieux publics ? Jusqu'à l'autre à Bordeaux, qui ne veut plus de sapin de Noël, Tannenbaum, Gérard. Pourquoi il n'y a plus de saint au calendrier ? Il n'y en a même plus au paradis. Il n'y a plus que des vierges. Pourquoi on ne parle plus de vacances de Toussaint, Noël, Pâques, Mardi Gras ? Ce qui, pendant un siècle, n'a pas gêné les plus féroces laïcards de nos concitoyens. Les mosquées fleurissent en France, un peu partout, 2500, favorisées par les municipalités et financées par les puissances étrangères. Mais quand une congrégation chrétienne veut construire une basilique en Ardèche, tous s'y opposent.
Pourquoi on abandonne un à un les marqueurs de notre civilisation, de nos traditions, de notre culture, s'ils n'ont pas gagné? On est loin du « à Rome, vit comme les Romains ». Face à notre désarroi, notre angélisme, nos hésitations, nos désunions, penauds et déconcertés que nous sommes, face à cela, ils sont déterminés, soudés, organisés, exaltés. Ils galvanisent tout un peuple. La majorité des jeunes musulmans croient au djihad, d'après l'enquête de Charlie Hebdo. Leur comportement suscite une forte résonance dans de nombreux pays et une grande complaisance. De Munich en Munich, l'Occident, notre mode de vie, sont bien menacés de mort. Vous connaissez tous la citation de cet écrivain français, fils d'un Corse et d'une génoise, et d'une mère génoise, qui disait: nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. Notre pays, pour le reprendre, n'est plus un toit tranquille où marchent les colombes. Enfin, ceci est mon point de vue que j'expose dans le cadre de la liberté d'expression. Merci, merci. La parole est à Jean Conroux. Oui, entendez, c'est bon. Suite à la décapitation de Samuel Paty, professeur chargé d'enseignement laïque au nom de la République française, auprès de notre jeunesse, je souhaite rappeler très brièvement que le peuple français a un double droit inaliénable. Le premier, le droit à la continuité historique, le droit de préserver ses symboles, sa culture, ses monuments. La culture participe à la définition de la personne, à sa singularité et à sa nature. C'est entre autres ce qui fait de nous une nation ouverte aux idées et par conséquent à la liberté de penser. Je me réfère à Simone Veil qui disait « La liberté d'expression totale, illimitée, pour toute opinion, quelle qu'elle soit, sans aucune restriction ni réserve, et au besoin absolu pour l'intelligence. » Le second, le droit de cultiver les richesses anthropologiques de notre civilisation, la distinction entre le temporel et le spirituel, la place de la femme. La France est le pays inventeur de la courtoisie, de la considération universelle de la personne. Ne laissons pas les négationnistes de cette civilisation avancée qu'est la nôtre, hérité de nos parents, démolir ce qui est notre héritage collectif et pour lequel, ne l'oublions pas, nos aïeux se sont battus à maintes reprises, comme le prouve notre histoire. Notre France doit s'affirmer dans ce qu'elle a d'indiscutable historiquement et culturellement et qu'enfin elle s'impose chez elle avec fierté d'être ce qu'elle est. Héritier d'une génération qui revendique le droit à dire les choses, à être non conforme, à abuser de la liberté, je ne laisserai pas ces individus issus d'une culture, d'une autre civilisation, me priver de ma liberté de penser. Pour nous, attachés aux valeurs républicaines, notre combat n'est pas religieux, il est plus global, car il place l'humain, la personne, au cœur de la société. Je suis néanmoins assez déçu de voir certains de mes compatriotes ne pas mesurer l'ampleur de ces assassinats qui semblent être banalisés à leurs yeux. Comme une indifférence qui finit même par faire accepter l'idée que la victime pourrait être l'assassin. Finalement, Gilbert Bécaud avait raison lorsqu'il chantait « Les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire. » Laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais, ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Or, ne soyons pas passifs, que nous soyons simples citoyens ou élus de la République, mobilisons-nous et sauvegardons notre civilisation. Merci. Merci Jean. Pascal Boyer a demandé la parole. À
En marche. Oui, oui, ne touche pas le bon. Ça va marcher, pardon. Ça va marcher. OK, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Je ne fais que m'associer à cet hommage qui a été rendu ce matin à cet enseignant qui a été sauvagement assassiné il y a à peu près en 15 jours maintenant. Et je m'associe aussi à tous les hommages pour les victimes qui ont été abattues lors des attentats ces dernières semaines, enfin, ces derniers jours, et celles d'hier en Autriche. Je m'associe aussi et je voudrais qu'on rende hommage aussi à tous les enseignants de l'éducation nationale, les soignants aussi, parce que en ce moment, ils sont mis à dure épreuve, encore une fois, une nouvelle fois. On peut prendre le modèle de la Suède, mais on prend aussi le modèle de l'Autriche, du Royaume-Uni, de la Belgique, de la Grèce, de l'Italie, du Portugal, de la Suisse et de l'Allemagne, qui reconfinent les pays les uns après les autres, parce que malheureusement, nous sommes dans une crise sanitaire, non pas nationale, mais une crise sanitaire européenne et une crise sanitaire mondiale. La crise est très, très importante. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Les prévisions de 400 000 ne viennent pas comme ça et ce ne sont pas des chiffres qui viennent à la légère. 400 000 morts si on ne fait rien. Donc, effectivement, il faut faire quelque chose. Bien sûr, reconfiner. Le choix a été fait de ne pas fermer les écoles. Puisqu'on s'est rendu compte qu'au premier confinement, le lien social avait été extrêmement difficile pour certaines familles et certains élèves. Le confinement ne ferme pas l'économie, puisqu'on s'est rendu compte aussi que fermer l'économie pour le pays, ça ne pouvait pas être soutenable, effectivement. Le confinement, lui, sert à casser les flux. Bien évidemment, ce sont les commerces qui prennent. Ça, on en est bien conscient. Tout le monde en est bien conscient. Les petits commerçants ont été entendus. Depuis 2-3 jours, il y a des négociations entre les associations, enfin les représentants d'associations, les représentants des entreprises et le gouvernement. Bien évidemment, des mesures ont été prises. On pourra toujours dire qu'elles ne sont pas suffisantes. On est bien d'accord. Mais en tous les cas, l'essentiel en France actuellement, c'est de pouvoir sauver des vies, de pouvoir sauver le système de santé, en sachant que, en quelques mois, nous avons réarmé 10 000 lits, alors que, enfin, nous sommes dans la capacité d'armer 10 000 lits de réanimation, alors qu'au printemps dernier, nous n'en avions que 5 000. 7 000 personnels soignants ont été formés dans l'été pour justement tenir et pour que le système tienne. Mais si le système tient ou tiendra, comme il a tenu au premier confinement, c'est aussi parce qu'il faut que les Français et les Françaises se rendent compte que nous sommes dans une situation extrêmement grave et que cette situation, nous ne pourrons la passer, nous pourrons passer le cap que collectivement, avec une responsabilité collective. Pour le soutien des petits commerçants, beaucoup de choses sont faites, peut-être pas suffisantes bien évidemment, mais beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses ont été faites. Le gouvernement travaille avec CCI France. 100 millions d'euros ont été votés dans le PLF, dans le projet de loi de finances. C'est, je pense, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, parce que le temps passe vite, pour justement soutenir les CCI. Les CCI vont être mises à contribution pour faire un appel à projet de 60 000 phoning auprès des commerçants, pour les soutenir, pour les aider aussi à se numériser et à pouvoir vendre par correspondance, on va dire, avec le click and connect, comme tout le monde en parle actuellement. Tout ça est mis en place, tout ça sera très très vite mis en place pour justement soutenir ces commerçants. Les aides seront mises en place à partir du 1er décembre, c'est-à-dire qu'un commerçant qui fait appel à des aides, par exemple le fonds de solidarité, aura ses aides à partir du 1er décembre. Tout ce qui sera vendu en click and connect par un commerçant ne sera pas pris en compte dans son CA et lui permettra de pouvoir continuer à garder son fonds de solidarité qui peut aller jusqu'à 10 000 euros en fonction de son activité s'il est obligé ou pas de fermer son activité. Sinon, si le commerçant n'est pas obligé de fermer son activité, il aura, comme au printemps de l'année dernière, 1 500 euros, de cette année, excusez-moi, 1 500 euros de fonds de solidarité.
Moi, je voudrais aussi revenir sur tout ce qui concerne les banques alimentaires. Les banques alimentaires, bien évidemment, vont avoir du travail, malheureusement, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président. Le RSA va augmenter, nous en sommes conscients. Enfin, le nombre de personnes au RSA va augmenter, nous en sommes conscients. Parce qu'après la gestion de cette crise sanitaire, nous aurons malheureusement, la gestion de la crise sociale à gérer. Les départements seront en première ligne, bien évidemment, et ça, nous en sommes conscients. Le gouvernement en est conscient, nous travaillons dessus, puisque nous savons très bien que les dépenses des départements vont augmenter à cause de cette augmentation de RSA. Des négociations sont faites, évidemment, entre le gouvernement et les représentants des départements de France pour, justement, amortir tout ça et que les départements ne soient pas en première ligne et ne souffrent pas, enfin, que ce ne soit pas eux les premiers qui souffrent dans cette gestion de crise. Par contre, ce qui a été déjà voté dans le projet de loi de finances, ce sont 20 millions d'euros qui, pour soutenir les associations qui distribuaient les denrées alimentaires, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement c'était ces associations-là, qui ont été mises en grande difficulté pendant le premier confinement. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais franchement, je pense que nous devons tous être solidaires, tous être responsables et tous aller dans le même sens pour la gestion de cette crise et malheureusement pour la gestion de la crise sociale qui malheureusement continuera après la crise sanitaire. Voilà, merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Marie-Noëlle Didier. Merci, Président. Comme vous l'avez dit, Président, nos missions continuent, et en particulier la solidarité envers nos concitoyens. Toutes les maisons des solidarités restent ouvertes et assurent toutes leurs missions pendant le confinement. Contrairement au premier confinement, l'école étant ouverte, tous les agents sont présents. Alors bien sûr, on risque d'avoir plus d'absence pour maladie, qui nous contraindra peut-être à fermer certaines maisons des solidarités d'une demi-journée de temps en temps pour permettre à nos agents de tourner et d'assurer leur mission. Mais je le redis, toutes les maisons des solidarités continueront leur mission pendant ce confinement. Merci. Jean Conrault, vous voulez revenir sur... Oui, Président, chers collègues, je tiens à témoigner en ma qualité d'élu délégué au commerce et à l'artisanat ma solidarité en cette période de confinement à l'égard des commerçants du département, qui sont, injustement, condamnés à fermer. Boutiques pour raisons sanitaires, alors que les grandes surfaces qui accueillent multes clients restent ouvertes. On s'insurge quand les librairies sont fermées alors que la FNAC reste ouverte. Du coup, ils ferment les rayons livres de la FNAC. S'insurge l'humoriste Nicolas Bedos. Je n'ai rien contre les grandes surfaces. Ce que je reproche à cette décision unique du gouvernement, c'est la différence de traitement qui est appliquée entre les différents acteurs du commerce. Comme si nos commerçants étaient irresponsables ou incapables de s'adapter aux circonstances et faire respecter les gestes barrières. Qui plus est le commerce en ligne, lui ne sera soumis à aucune contrainte ou restriction. Sur le fronton de notre République, il est inscrit liberté, égalité, fraternité. Je me pose la question, où est dans ce cas l'égalité? Merci Jean. Monsieur Murgia. Merci Monsieur le Président. Quelques mots tout d'abord pour naturellement, comme l'ensemble de mes collègues, m'associer à cette tristesse et à cette grande émotion à la suite des derniers jours terribles que nous vivons en France, particulièrement à Nice, dans la région où nous sommes proches, et ces événements en Autriche qui, j'imagine, nous ont naturellement tous émus. Et je crois que, en la matière, il ne peut avoir aucune division et naturellement qu'un seul soutien à la solidité, à l'unité et naturellement à la lutte contre le terrorisme. Un petit mot pour revenir sur le débat, Madame la députée, que vous venez de lancer
cher Jean Congreau, et les polémiques de ces derniers jours qui ont fait la une des médias. Moi, à titre personnel, je n'ai pas souhaité signer un arrêté ouvrant l'ouverture des commerces. Je comprends... je respecte la position d'un certain nombre de nos collègues maires. Je comprends la détresse que tout un chacun peut ressentir vis-à-vis de situations qui provoqueront des dégâts économiques importants. Mais à titre personnel, je n'ai pas pour habitude de produire des actes illégaux. Et surtout, j'ai trop de respect pour les commerçants pour, quelque part, leur envoyer l'illusion qu'on pourrait changer les choses, alors que tout un chacun sait bien qu'un arrêté municipal est inférieur en droit à un décret ministériel et que, quelque part, malheureusement, à part leur donner un peu d'espoir, on ajoute... Je le crois, malheureusement, un peu de désordre au désordre, et je ne suis pas sûr que notre pays en ait bien besoin en ce moment. Pour autant, je partage l'intégralité de ce que vient de dire notre collègue Jean Conraud et la décision qui a été annoncée sur les supermarchés. Quelque part, elle règle la situation sans la régler. Et je voudrais résumer ça en une phrase, c'est que je ne crois pas finalement que le malheur des uns fasse paradoxalement le bonheur des autres. C'est-à-dire que en fermant les rayons non essentiels, mais qu'est-ce qui est vraiment non essentiel, on va pas refaire le débat dans les supermarchés. Certes, on remet un tout petit peu, enfin on enlève un peu d'injustice, mais on règle pas le problème, ni d'ailleurs des petits commerçants, ni d'ailleurs de nos administrés qui ont besoin de certaines choses que on peut considérer non essentielles, mais qui parfois le sont. Moi, je voudrais en tout cas vous faire part de deux choses. La première, c'est que nous lancerons dans les toutes prochaines heures à Briançon une plateforme qui s'appelle Mon Commerçant Chez Moi, qui permettra de faire tout simplement une plateforme de vente à distance locale. Et je crois qu'il faut vraiment que tout le monde soit encouragé à se lancer là-dedans, d'autant que ce sont des programmes qui sont soutenus par la Banque des Territoires. Il faut le saluer. La deuxième des choses, Madame la députée, peut-être une suggestion, mais je suis persuadé qu'on pourrait être tous d'accord là-dessus. Il y a une proposition dans le débat qui me semble extrêmement pertinente et qui, je crois, fait vraiment l'unanimité. C'est celle qu'a proposé le maire de Reims, Arnaud Robinet, consistant à dire que nous pourrions envisager très rapidement d'autoriser la vente sur rendez-vous. Voilà. Et je crois que ce qu'a dit Jean est très important, parce que on sait très bien que nos commerçants, ce sont eux qui ont particulièrement joué le jeu, je crois qu'on peut tous le dire. Nous, on a mis en place dans le Grand Briançonnais depuis plusieurs semaines déjà des cahiers de rappel, je crois, avant que ce soit obligatoire. Et on n'a pas eu un seul cluster, ni dans les restaurants, etc. Et je crois vraiment qu'il faut saluer, parce que les coiffeurs, les commerçants sont les premiers qui se sont adaptés, bien plus que les autres. Et je pense que sortir de tout cela par le haut, ce n'est pas rouvrir le débat que je ne souhaite pas rouvrir sur c'est injuste, c'est pas injuste. Il faut qu'on sorte de cela, parce que de toute façon, tout le monde a bien compris que la situation sanitaire, elle est grave. Et c'est pas moi qui dirais le contraire, puisque vous le savez bien, Madame la députée, nous vivons dans le Grand Briançonnais une situation qui est extrêmement difficile. Pour autant, sachons faire confiance à nos commerçants. Et je crois que cette simple mesure consistant à leur permettre, sur rendez-vous, de continuer leur activité tout en... les soutenant sur les mesures qu'a mis en place le gouvernement et le ministre de l'économie en particulier sur naturellement le report des charges, la non prise en compte de la vente dans les chiffres d'affaires, justement dans ces calculs-là, je crois qu'on pourrait vraiment sortir de ce débat par le haut, parce que vous l'avez dit et je crois qu'il faut qu'on s'en souvienne, on peut avoir des oppositions sur ces sujets, mais la situation elle est bien trop grave pour qu'on n'en sorte pas rapidement, et moi je ne pourrais que vous encourager et vous solliciter, comme tous les autres parlementaires du département, à soutenir ce type de proposition auprès du gouvernement qui, je le crois, pourrait nous permettre de retrouver un peu de sérénité. Je crois que toutes et toutes, on doit savoir et on doit comprendre le climat anxiogène qui est ceux de notre tissu commercial, comme bientôt montera l'inquiétude dans nos stations de sport d'hiver. Et je crois qu'on peut aussi porter haut et fort cette voix-là en disant que oui, il faut qu'on fasse le plus d'efforts possible, parce que l'important, c'est que dans 3, 4 ou peut-être 5 semaines maximum, la situation de la pression épidémique est redescendue, parce que ce n'est pas d'une vie normale dont nous avons besoin et que nous voulons retrouver, mais c'est la vie tout court, pour les fêtes de Noël et naturellement pour l'ouverture de la saison d'hiver dans notre département. Je vous remercie. Merci Arnaud. La parole est à Rémi Audou. Merci Monsieur le Président. Je m'associe bien évidemment moi aussi à l'hommage qui a été fait. Et je tenais à dire que la réponse qui doit être celle de la France face aux attaques multiformes que nous avons connues ces derniers jours
Elle doit être à la fois forte et sévère. Il doit vraiment y avoir aucune main qui tremble dans les réponses qui doivent être apportées et surtout aucun recul fait sur le droit de tout un chacun à sa liberté d'expression. Et elle doit être aussi chirurgicale. Chirurgicale parce qu'il faut vraiment voir d'où vient l'ennemi. L'ennemi, c'est l'intégrisme. On le sait, l'intégrisme aussi bien musulman, mais l'intégrisme d'extrême droite aussi. On a eu des attaques récemment d'extrême droite aussi. Il ne faut pas se tromper, les intégristes musulmans, qu'ils soient de l'État islamique, qu'ils soient d'Al-Qaïda ou autre, leur rôle, ça n'a jamais été de défendre une religion ou de défendre les musulmans. Jamais. Des Ouïghours se font assassiner, persécuter en Chine actuellement. Est-ce qu'on a des attentats revendiqués par l'État islamique pour défendre les Ouïghours? Non. Non. L'État islamique, son rôle, comme toute organisation intégriste, c'est de limiter nos libertés, de faire en sorte que dans notre pays, on ne soit plus libre de vivre notre vie, de vivre, tout simplement. C'est d'empêcher les femmes de porter la tenue qu'elles portent ou de les culpabiliser si elles le font. C'est d'empêcher une personne qui peut ne pas avoir de religion de l'exprimer. C'est empêcher une personne qui veut vivre sa vie d'une certaine manière de le faire. Notre ennemi, ça doit être, et ça a toujours été, c'est l'intégrisme. Face à ça, certes, il y a des réponses de long terme qui vont être l'éducation. Il y a également des réponses de court terme, qui sont effectivement des réponses en termes de sécurité, en termes de renforcement des services de renseignement territoriaux. Là-dessus, on a tous un rôle à jouer. Les renseignements territoriaux sont à nos côtés, et c'est notre rôle en tant qu'élus locaux de les informer si on constate une dérive sectaire. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus qu'on mette de côté toute une frange de la population. Souvenons-nous aussi que dans nos services de police, nous avons des musulmans. Dans notre armée, nous avons des musulmans. L'autre objectif des intégristes, c'est d'isoler l'ensemble de la communauté musulmane, ce qui serait particulièrement mortifère dans notre pays, surtout en ce moment. Je vais changer de sujet et parler de la crise sanitaire qui va devenir effectivement une crise économique, on est tous d'accord là-dessus. Il va y avoir un surcoût pour les départements sur les RSA, on est également d'accord là-dessus. Et il faut vraiment que notre représentation nationale soit à nos côtés. Les premiers débats sur le projet de loi de finances 2021, j'en parlerai un peu plus dans les orientations budgétaires, ne me font pas beaucoup espérer dans ce sens-là. On a déjà vu qu'il y allait avoir une modification du mécanisme de dynamisme de la TVA, de la part dynamique de la TVA qui va être renvoyée au département, en disant... Argument que, étant donné que l'année 2020 était une année où la TVA et les salaires de TVA ont baissé d'à peu près 10% et qu'elle risque d'augmenter en 2021, ben, on ajustera à la baisse, évidemment, pour les départements, le transfert de la part de TVA qui va revenir au département. C'est quand même un peu spécifique lorsque une règle favorise les collectivités de dire ben, du coup, on va la changer, surtout sachant que les départements, vont avoir des dépenses supplémentaires liées à ça. L'amendement de dernière minute qui a été proposé par le gouvernement lors du projet de loi de finances 2021, c'est quand même d'ici à 2025 4,2 milliards d'euros en moins pour l'échelon départemental, alors qu'on va avoir une augmentation des dépenses liées à ça. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une unité nationale pour dire que les départements ont quand même été depuis tout le temps perdants avec la réforme du RSA, ils vont l'être d'autant plus là avec l'augmentation du nombre de RSA, faisant en sorte qu'on nous accorde les recettes nécessaires. Merci. Madame Boyer. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, alors pour les ventes sur rendez-vous, pour les livraisons, tout ça c'est déjà autorisé. J'ai eu le cabinet de Griset, de Monsieur Alain Griset hier. Tout ça, c'est déjà mis en place. Après, il suffit de s'organiser, bien évidemment, et ça c'est compliqué de le faire. Si, ça, c'est... Voilà, j'ai eu la confirmation, c'est... Tout est... Mais c'est une question d'organisation. L'organisation, bien sûr, il faut que les CCI organisent organisent et sur les territoires, mais c'est normalement, tout est mis en place. Enfin, tout est autorisé parce que l'idée c'est quand même oui sur les commerces fermés. Si on peut, c'est le click and connect, ça veut dire que les gens peuvent appeler et puis peuvent prendre rendez-vous et le commerçant donne oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Oui. 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 Mais de toute manière... Voilà, je vous encourage à regarder oui, à dire, la proposition sur qui le, est formulée. Au sur le premier confinement, les commerçants pouvaient aussi le faire, ça. C'est que le problème, c'est une question d'organisation. C'est pas une question... C'est pas, ils peuvent le faire, mais c'est une question d'organisation. Bon, enfin bref. Bon, donc, ensuite, et je voudrais répondre aussi à M. Rémy Oudou concernant la... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Concernant au niveau de la baisse de la TVA, pour l'instant, nous n'en sommes pas là, puisque nous voilà, ce sera pour 2021. Donc les projections et les affirmations, à mon avis, il va se passer certainement beaucoup de choses, malheureusement. Le RSA, malheureusement, va augmenter. Bien sûr que la TVA va diminuer en 2021, nous en sommes bien d'accord. Mais pour l'instant, il n'y a pas à sortir des chiffres comme ça. Les négociations seront faites. Le soutien au département sera fait en temps voulu. Pour l'instant, nous ne pouvons pas savoir de combien la TVA va diminuer et nous ne pouvons pas savoir de combien le RSA va augmenter. Donc oui. Pour l'instant, on ne va pas faire des plans sur la comète et on gérera la situation en temps voulu. La situation est quand même préoccupante, mais c'est un autre débat. Je donne la parole à M. Galland. Merci, M. le Président. Mets le micro en face de toi. Oui. Chers collègues, dans cette matinée plutôt morose, au vu des événements qui viennent de se dérouler, je voudrais vous donner un peu d'espoir et de gaieté avec le sport. Ah. La crise sanitaire que nous traversons met gravement en péril le monde du sport, qu'il s'agisse de grands clubs professionnels comme d'associations sportives locales. Je profite donc de cette tribune pour leur réaffirmer tout mon soutien. J'aimerais revenir sur une actualité plus légère, mais non moins importante pour notre territoire et pour les Hauts-Alpins. Vous le savez, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Dans la perspective de cet événement sportif majeur, et pour que ces Jeux bénéficient à l'ensemble du territoire national, le COJO a décidé de lancer le label Terre de Jeux 2024. Le département des Hautes-Alpes a officiellement été labellisé le 13 janvier dernier avec pour ambition de développer durablement la pratique du sport pour tous, pour tous les Hauts-Alpins, renforcer l'attractivité et le rayonnement du territoire par-delà nos frontières. C'est à travers cette labellisation que le département s'est porté chef de file des candidatures centre de préparation aux Jeux pour plusieurs disciplines, la voile, le VTT, le canoë-kayak et pour bientôt l'escalade, pour laquelle nous obtiendrons une réponse en début d'année prochaine. Malgré les atouts incontestables, la candidature pour la voile, à Serre-Ponçon, n'a pas été retenue. Le stade d'eau vive de l'Argentière et le stade de VTT de Montgenèvre ont quant à eux été officiellement labellisés CPJ. Il s'agit là d'une formidable reconnaissance de la qualité de nos sites sportifs, mais également de nos infrastructures d'accompagnement aux besoins d'entraînement des différentes fédérations internationales. Le département et l'ensemble des partenaires associés à la démarche Centre de préparation aux Jeux, le GDOS 05, les comités départementaux de canoë, kayak et de VTT, communes de l'Argentière et de Montgenèvre, office de tourisme, communauté de communes, agences de développement, sont désormais engagés dans une dynamique collective de valorisation et de promotion des sites. Compte tenu des spécificités et des conditions d'entraînement optimales proposées par nos sites, nul doute que dès l'année prochaine, les fédérations internationales viendront s'entraîner chez nous et cela bénéficiera également à la renommée de notre territoire et de notre économie. Merci, M. le Président. Eh bien, merci, Dany. Allez, pour terminer ce tour d'horizon généraliste, je donne la parole à Joël Bonafou. Merci, M. le Président. Concernant, vous écrivez « Gouverner, c'est prévoir ». Donc hier, nous étions donc avec Valérie, donc pour rendre hommage bien sûr au niveau du collège Simone Veil, à côté des enseignants et bien sûr des élèves de ce collège qui ont été remarquables, je dirais, par leur attention à ce moment-là.
On a évoqué le problème si jamais, on devait avoir à nouveau une fermeture des établissements. Est-ce que le département l'avait fait déjà, je crois, dernièrement, avait distribué des ordinateurs pour les familles défavorisées? Est-ce qu'on a prévu d'amplifier le phénomène si jamais ça devait se reproduire? Parce que là, je pense qu'on a eu un souci à ce niveau-là. Et bon, ça a été réglé en partie, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de familles qui n'étaient pas dotées. Et là, la fracture numérique, elle y est vraiment. Merci. Madame Grenier, vous avez des éléments de réponse? Oui, effectivement, nous sommes dans la même réflexion que vous, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et nous y avons réfléchi, effectivement. Oui. Bien, Madame Truffem, je ne vous voyais pas derrière mon écran. Oui, vous êtes cachée derrière, Président. Merci de me donner la parole. Donc, bien sûr, je m'associe à tout ce qui a été dit par rapport au témoignage. Et en tant qu'enseignante, j'y suis d'autant plus sensible. Et croyez-moi que bon, vous avez vécu, certains, la rentrée dans les établissements scolaires en tant qu'élu. Mais en tant qu'enseignante, ça a été très, très compliqué. D'autant plus qu'on... pour nous, bon, il y a eu ce problème d'attentat, mais non seulement il faut appliquer les nouvelles règles sanitaires, mais qui ne sont pas du tout applicables. Je suis désolée, nous, on ne vit pas un confinement. Moi, je suis en contact quotidiennement avec 125 élèves. Alors, quelles que soient les procédures, on ne peut pas les respecter. Donc, pour moi, ce confinement, ça n'en est pas un. Après, on va en tirer des conclusions qui ne seront pas non plus à la hauteur d'un confinement. On va dire que ça ne suffit pas, mais ce n'est pas un confinement. Voilà. Donc, je voulais un peu... C'est un coup de gueule, parce que franchement, là, on nous fait vivre des choses qui sont insupportables, insoutenables. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour abonder à ce qu'a dit Daniel Galland par rapport au sport... Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est tout ce qui est centre équestre. Donc il y a des courriers qui ont été envoyés parce que donc, les équidés ne peuvent pas vivre comme au printemps pendant le confinement dans les champs avec de l'herbe verte. L'hiver, il faut leur donner à manger et donc il faudrait aussi prévoir la réouverture ou la possibilité des centres équestres pour pouvoir alimenter ces équidés. Et donc, bien sûr, donc ça, c'est une première chose. Et par rapport au commerce, à nos petits commerces, je trouve que c'est scandaleux ce qu'on leur fait supporter. Et je pense que quand même, ceux qui prennent ces décisions, ils sont confortablement assis dans un fauteuil. J'aimerais bien voir dans quel état ils seraient si on leur supprimait leur indemnité du jour au lendemain et qu'on leur donne rien. Et ça, c'est pendant des mois. Donc, je trouve ça aussi scandaleux. Bien, message entendu. Bien, mes chers collègues, on va, si vous le permettez, on va rentrer dans l'ordre du sujet, dans l'ordre du jour. Je voudrais d'abord vous proposer d'adopter le compte-rendu de notre dernière réunion du 29 septembre. Il y a des commentaires à faire. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Allez, je vous demande de voter là sur le compte rendu. C'est bon? Bien, je vous remercie. Je vais passer la parole tout de suite à Patrick Ricou pour nous parler des orientations budgétaires et peut-être de la dernière décision modificative. Monsieur Ricou, vous avez la parole. Merci, Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour à chacun d'entre vous. Petite projection pour brosser les grands éléments de ces orientations budgétaires et mes propos seront complétés par mes collègues vice-présidents et élus délégués pour chacune des thématiques qui les concernent pour revenir enrichir ces orientations budgétaires. Alors, nous avions débattu l'année dernière de ces orientations budgétaires en se fixant un cap pour les six années à venir jusqu'en 2025. Ces orientations budgétaires étaient basées sur des finances préservées, une capacité d'autofinancement maintenue qui permettait de mettre en œuvre un plan d'investissement pluriannuel ambitieux de 358 millions d'euros, je vous le rappelle. L'année 2020 a été la première année de la déclinaison de ce plan pluriannuel d'investissement. Et nous avons, au cours de cette année, lancé des opérations majeures.
au titre sur les collèges, sur les axes structurants dans le domaine routier, ainsi que sur la valorisation de notre patrimoine culturel et naturel. Notre investissement sur 2020 sera voisin de entre 55 et 60 millions d'euros. C'est significatif et c'est l'illustration de l'effectivité de la mise en œuvre de ce plan pluriannuel d'investissement. Nous avons, sur cette année 2020, également préservé et été vigilants sur le maintien de nos dépenses de fonctionnement. Le pacte de Cahors, le contrat de Cahors est suspendu. Néanmoins, cela ne doit pas nous dispenser d'être particulièrement attentifs sur la maîtrise de ces dépenses de fonctionnement. C'est la condition impérative pour que nous puissions décliner nos investissements tels que nous les avons prévus. En 2020, nous avons respecté les grands équilibres de ce point de vue-là, et même si le pacte de Cahors avait dû s'appliquer, nous aurions été dans la bonne marche puisque nous serions à peu près à 1 million d'euros en dessous des dépenses qui nous auraient été accordées. Nous avons également poursuivi notre désendettement en 2020. C'est à peu près 2 millions de désendettements que la collectivité connaîtra. Nous avons emprunté 15 millions, nous en avons remboursé à peu près 17. Donc aujourd'hui, notre capacité de désendettement est ramenée à 3,9 ans. Donc sur cette première année, nous sommes tout à fait dans les objectifs et dans les marges de manœuvre que nous nous étions fixées. 2021 qui se profile et dont nous allons débattre aujourd'hui des grandes orientations budgétaires est une année qui est pleine d'incertitudes. Je crois que ça a été largement évoqué ce matin, la crise sanitaire, crise sociale, crise économique. Donc un niveau d'incertitude qui a rarement été atteint, même si nous sommes habitués dans nos collectivités locales à, sur les aspects financiers et budgétaires, être de manière permanente dans une situation très souvent incertaine avec peu de visibilité. En 2020, le RSA aura augmenté de près de 19%. C'est significatif. Nous aurons aussi en 2021 donc une augmentation inévitablement de ces dépenses de RSA, dont il est difficile aujourd'hui d'en apprécier l'ampleur, mais que dans nos prospectives, nous avons d'ores et déjà anticipé à une évolution d'à peu près 15%. Nous aurons également de grandes incertitudes sur ce que sont nos recettes. Aujourd'hui, nos recettes départementales, depuis la réforme de la fiscalité, sont étroitement liées à l'activité économique, que ce soit sur les droits de mutation à titre onéreux. Et là, je peux souligner le bon niveau de recettes sur 2020, puisque nous ne devrions pas être loin de nos objectifs budgétaires. À la fin du mois d'octobre, nous sommes à un peu plus de 24,2 millions d'euros. Nous avons inscrit à notre budget 30,6 millions d'euros. On devrait avoir une recette voisine d'une trentaine de millions d'euros. Donc l'activité immobilière a été particulièrement soutenue et s'est maintenue sur l'année 2020. Mais rien ne dit qu'il en sera de même sur les années à venir. Donc aussi une grande incertitude sur ces recettes sur les années à venir. Et là aussi, dans les anticipations qui sont les nôtres, nous avons été particulièrement prudents. Incertitude aussi, même si c'est une recette qui pèse moins proportionnellement sur la CVAE, sur la taxe d'aménagement, sur la taxe sur les remontées mécaniques et sur la consommation, taxe intérieure sur les produits de consommation, la consommation de produits énergétiques. 2020, c'est aussi l'illustration, et 2021 sera en pleine application, l'illustration de la perte de toute autonomie fiscale des départements, puisque 2021, nous percevrons une recette de fraction de TVA en compensation de la taxe foncière. Même si là aussi, et je rejoins les propos de Rémi Audoux, nous avons pas mal d'incertitudes sur les années futures, puisque autant sur 2021, bon, on sait qu'on aura le produit de la taxe foncière 2020, autant sur 2022, les règles du jeu qui avaient été fixées lors de la réforme de la fiscalité pourraient être chamboulées pour priver les départements d'une évolution possible des recettes de TVA en 2021 qui nous serviraient de recettes de 2022. Donc je trouve que ce n'est pas très correct de modifier des règles du jeu qui ont été débattues souvent dans la douleur. Et Dieu sait si les départements se sont
opposés à cette réforme de la fiscalité. Et je trouve que changer les règles de manière unilatérale comme cela, c'est pas très correct. Mais les choses restent à préciser. En tout état de cause, j'espère que le gouvernement reviendra sur ces dispositions. 2021, ça sera forcément une crise économique qui fait consécutive à cette crise sociale, inévitablement. 2020, le projet de loi de finances, on prévoit une récession de l'ordre de 10%. Une projet de loi qui prévoyait un rebond en 2021, je crois que vu les conditions que nous connaissons aujourd'hui, ce rebond-là risque d'être un petit peu illusoire. Donc forcément, une augmentation du chômage, plus 8% en 2020, et une augmentation qui se confirmera en 2021 avec forcément des risques, une augmentation de nos dépenses de solidarité, de nos dépenses d'insertion. Donc une autonomie financière qui devient plus problématique. Ceci étant, aujourd'hui, nos ratios, notre situation financière globale nous permet aujourd'hui de maintenir le cap et de continuer les objectifs que nous nous étions fixés en 2021. Alors 2021, la réponse du département, c'est d'abord d'investir. Investir dans des équipements structurants que sont les axes stratégiques, notre domaine routier, mais aussi dans ce qui fait l'attractivité de notre département, ses équipements culturels, ses équipements sportifs, les équipements touristiques, et investir également dans l'éducation et dans nos collèges pour apporter notre contribution à cette nécessité de donner à nos jeunes, à nos enfants, des conditions d'épanouissement, des conditions d'enseignement les meilleures possibles. Le département, conformément à sa devise, c'est d'être présent sur le territoire. On est là. Être présent et conforter notre présence territoriale à travers l'ensemble des services que nous déployons sur l'ensemble de notre territoire. 2021, le département sera également aux côtés des plus vulnérables, puisque c'est son rôle premier. La solidarité humaine dans tout ce qui relève de la dépendance, de l'enfance, de la famille, du handicap ou encore de l'insertion. Et Dieu sait, sur cette thématique, le département risque d'être fortement sollicité en 2021. Et ensuite, 2021, ce sera aussi être aux côtés de tous ceux, les acteurs de notre territoire, pour garantir un développement territorial cohérent et en particulier aux côtés de nos collectivités territoriales pour contribuer à accompagner tous ces projets d'investissement, d'aménagement qui participent à la qualité de vie et au bien-être de nos concitoyens sur notre territoire et l'attractivité de notre département. Alors, 2021, nous maintiendrons le cap sur la base des engagements que nous avions pris à l'égard des Hauts-Alpins en 2018, c'est de consacrer l'effort fiscal qu'il avait été demandé à l'investissement et à l'amélioration de l'équipement de notre département. Nous le ferons en respectant les règles de prudence qui permettent de garantir nos équilibres financiers. Donc, un taux d'épargne brute aux voisins de 20%, une capacité de désendettement maintenue à moins de 6 ans, une évolution de nos dépenses de gestion que nous avons plafonnées à 1,2% par an. Nous poursuivrons donc la déclinaison de notre PPI avec constance, avec volonté, mais aussi avec lucidité et vigilance, parce qu'il est dans ce contexte particulier, nous devons tenir le cap pour pouvoir être capable de conduire ces projets. Alors, ces axes du PPI, ils se traduisent en 5 axes. D'abord, des projets d'une ampleur marquée. Et rarement, le département aura eu à mettre en chantier des projets d'une telle ampleur. Nous avons en prévision, sur les 5 années à venir, la rénovation de 3 collèges. Donc, ce sont des investissements extrêmement importants. Nous investirons également de manière massive sur les itinéraires structurants, les 1075, 1091. Je vais le détailler un petit peu plus loin. Nous interviendrons sur notre patrimoine routier. Et c'est vrai que ce patrimoine routier a fait l'objet d'arbitrages budgétaires ces dernières années qui ont fait que nous n'avons pas toujours été en mesure d'engager les dépenses au niveau auquel nous aurons dû les engager pour pouvoir maintenir le bon état des 2000 km de routes départementales, des 950 ponts, des 23 tunnels,
auxquels nous, comme cela aurait dû se faire. Donc il y a un certain retard aujourd'hui à rattraper. Présence territoriale primordiale en consolidée. J'en ai parlé également pour tout ce qui concerne l'énergie renouvelable, la culture, le sport. La solidarité dans l'action, dans la proximité, donc un département présent aux côtés de nos concitoyens, aux côtés de nos populations et aux côtés de nos territoires et sur les territoires. Et puis aussi, le cinquième axe, c'est la promotion d'une qualité de vie d'exception. Le département a des atouts formidables autour de la qualité de vie, donc dans tout ce qui est nos grands sites, nos grands cols, nos acteurs locaux dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme. Aujourd'hui, tout ça doit être soutenu. Ce plan pluriannuel d'investissement, donc 358 millions d'euros, avec trois grandes thématiques sur les six ans, c'est 200 millions que nous avons prévu d'investir sur l'ensemble de nos infrastructures routières et aéronautiques. C'est considérable, mais également un effort significatif sur la valorisation, la gestion du patrimoine, avec des grands projets, ça sera détaillé tout à l'heure, autour des collèges, autour des archives, et également une action particulière auprès des collectivités locales et de nos partenaires. Alors, 2021, ce sera des projets structurants, indispensables, que sont la rénovation des collèges, de la Ragne, Serre et du collège Centre. Donc, avec des calendriers qui sont aujourd'hui, commencent à se décliner, 2021 verra l'engagement des études, des consultations d'entreprise sur certains de ces projets. Donc, on rentre dans une phase opérationnelle. Également, des travaux de sécurisation importants sur les axes structurants que sont la 1091 et la 1075, avec en particulier la sécurisation de la galerie de la Marionnaise qui sera engagée. Un patrimoine routier requalifié, donc le rattrapage de la dette patrimoniale dont je parlais tout à l'heure, la modernisation de notre réseau routier, la prévention des risques naturels, où là aussi nous aurons des actions particulières sur des itinéraires particulièrement exposés, la Clarée, Château-Quéra et la fin de l'opération du Pas de l'Ours, ainsi qu'une attention particulière sur tout ce qui est les mobilités douces et la gestion des flux de circulation. 2021, une présence sur nos territoires qui sera confortée avec la valorisation de nos actifs aéronautiques, le développement du photovoltaïque sur nos bâtiments aéronautiques, la conservation du patrimoine culturel avec le projet des archives départementales qui devrait rentrer en phase concrète, des travaux sur la bibliothèque départementale, des travaux sur le château de Lesdiguières, au musée et à la chapelle Saint-Michel, et la requalification de certains de nos bâtiments en territoire, notamment la MDS et la MSAP, MDS et MSAP, ainsi que la maison de santé à Guillestre et celle et à Vennes. Les chantiers 2021, c'est aussi la solidarité dans l'action et dans la proximité. Donc, de la déclinaison de notre schéma unique des solidarités, avec qui va se décliner autour des thématiques de l'enfance, avec la déclinaison de la feuille de route de l'aide sociale à l'enfance, plus d'assistants familiaux, plus de proximité. Nous tirerons aussi conséquence de l'audit Chambre régionale des comptes dans cette thématique-là et nous mettrons en place un certain nombre d'actions autour de l'enfance. Dans le domaine de l'insertion et du logement, donc forcément le renforcement de notre plan départemental d'insertion dans le cadre de la crise sanitaire afin d'accompagner globalement les bénéficiaires du RSA et en partenariat étroit avec notamment Pôle emploi. Également des actions significatives dans le domaine du logement. Dans le domaine de l'autonomie, ce sera l'expérimental pour l'adaptation des logements, l'isolation thermique et l'accessibilité, la mise en œuvre de la gestion électronique des documents à la MDA. L'inclusion numérique est également un levier d'acte de cohésion et de développement. Donc là aussi, le département sera présent pour démultiplier les services en ligne, accompagner le développement de la fibre, résorber les zones blanches, ainsi qu'un certain nombre d'actions vis-à-vis de l'ensemble des générations autour de l'inclusion numérique. En matière de qualité de vie, des actions significatives autour de la transition énergétique, de la mise aux normes énergétiques
de nos bâtiments, notamment sur la RD, avec le changement du mode de chauffage, avec des travaux mutualisés avec le service départemental d'incendie et de secours, des travaux thermiques sur le centre technique de la Ragne et du Monnetier-les-Bains, de Saint-Firmin, de l'aide à la réhabilitation thermique des logements, le lancement du service d'accompagnement à la rénovation énergétique, et je pense que certains d'entre vous en parleront tout à l'heure. Dans le domaine de la nature, des paysages, de l'agriculture, du sport, de l'attractivité culturelle et touristique, nous continuerons l'opération Grand Col, avec également la valorisation de nos espaces, sites et itinéraires, ainsi que nos espaces naturels sensibles. Nous commencerons à concrétiser, ça aurait déjà dû être fait en 2020, mais les projets ont pris du retard pour ce qui concerne les maîtres d'ouvrage, la mise en œuvre, l'accompagnement de la rénovation des refuges de montagne, qui est un pas important de l'accueil touristique dans notre département. Et on a vu cet été notamment tout l'intérêt et tout l'attrait de nos vacanciers pour nos destinations montagne. Nous travaillerons également sur ce que seront demain les futurs contrats de station, puisque les contrats de station que nous avions mis en œuvre il y a quelques années aujourd'hui sont pour bon nombre d'entre eux terminés ou consommés. Donc il faut en réfléchir à l'après et d'accompagner nos stations, et notamment au regard des évolutions climatiques que nous connaissons. Nous continuerons notre action dans le domaine agricole, avec une action particulière dans le domaine de l'irrigation. Bon nombre de projets aujourd'hui sont en réflexion sur la gestion de l'eau, sur les outils d'irrigation, et le département aura une action particulière d'accompagnement de ces projets-là. L'accompagnement des adaptations au changement climatique, la rénovation des vergers, le renouvellement de l'opération Soleil Agri seront aussi des axes de travail dans le domaine agricole. Tout comme nous soutiendrons la candidature à l'appel à projet plan alimentaire territorial que nous portons collectivement avec la Chambre d'agriculture, un projet, et avec l'Agence de développement. À travers le schéma culturel à travers notre schéma culturel, donc c'est aussi une adaptation de l'offre aux demandes des usagers, donc les archives, le musée, la bibliothèque départementale, le CEDRA, toutes ces structures feront l'objet de travaux ou d'actions particulières. Alors, si on se projette maintenant du point de vue financier, donc 2021-2022, nous avons une certaine visibilité de court terme. Si pour autant que les grands équilibres ou les grandes règles financières ne soient pas bouleversées au gré de différentes lois de finances. Mais aujourd'hui, nous avons bâti nos orientations budgétaires en deux temps. D'abord, une prospective de court terme, 2021-2022, avec la déclinaison de notre PPI, et puis maintien de notre dépense de gestion à un niveau qui nous permette de dégager l'autofinancement nécessaire. Et puis, nous avons aussi bâti ce que devront être notre feuille de route pour, au-delà de 2022, les grands équilibres que nous devons respecter. Ce PPI, il est ambitieux, nous ne pourrons le décliner que si nous sommes capables de tenir ces grands équilibres aujourd'hui. Les éléments que nous connaissons nous laissent à penser qu'on est capable de le porter, mais ça doit nous conduire à une vigilance permanente. Alors 2021-2022, donc nous anticipons une épargne brute aux alentours de 55 millions pour 2021, 44 millions pour 2022. Donc une épargne brute qui reste confortable et qui reste conforme à ce que nous avions prévu l'année dernière au moment de nos orientations budgétaires. 2023-2025, donc forcément nous anticipons une diminution de nos recettes avec une progression de charges que nous avons voulu limiter mais qui est tout à fait tenable, de l'ordre de 175 à 180 millions d'euros, mais cela relève aujourd'hui à ce stade de quelque part un peu de faire un peu de voyance, si je puis dire. Parce que Dieu sait si aujourd'hui les
domaines d'incertitude restent encore nombreux. Alors, cet investissement que nous prévoyons sur 2021-2025, il vous est projeté sur cette diapositive. Aujourd'hui, donc, un investissement voisin de 60 millions d'euros sur les années 2021 à 2025. 60 millions d'euros par an, c'est significatif. C'est jouable, pour autant que le niveau d'épargne brute reste au niveau voisin d'une quarantaine de millions d'euros. Que nous soyons capables de mobiliser des recettes d'investissement significatives. Nous avons été prudents là aussi sur la déclinaison de ces subventions d'investissement, puisque nous nous sommes maintenus à ce qui est aujourd'hui des recettes certaines, nos recettes classiques de fonds de compensation de TVA, de dotation d'équipement des collèges et de DECID. Et nous avons été très prudents sur les subventions à recevoir parce que aujourd'hui nous avons peu de visibilité sur ce que sera demain les contrats de plan État-région qui vont se décider ou se décliner en deux cycles, un cycle de court terme 2021-2022. Et ensuite, à partir de 2023, beaucoup d'incertitudes sur ce que seront ces contrats de plan État-région, parce qu'aujourd'hui, les thématiques habituelles des infrastructures ne semblent pas être des thématiques prioritaires dans ces futurs contrats de plan. Donc cela doit nous inciter à une relative prudence. Si nous ne sommes pas en mesure de maintenir cette épargne brute, et c'est l'enjeu aujourd'hui, et de mobiliser des financements significatifs, la déclinaison de ce PPI, ben forcément, se fera par un accroissement de l'endettement, ce qui est tout à fait supportable, mais pour autant que ce soit dans des mesures qui soient raisonnables. Donc l'enjeu, il est là, aujourd'hui, de ces orientations budgétaires. Deux enjeux majeurs, maîtrise de l'encours de la dette, qui est conditionnée par la mobilisation de subventions, d'investissements, et par le maintien de notre capacité de notre épargne brute. C'est vraiment l'enjeu auquel nous devons nous astreindre, c'est de garder cette épargne brute et de faire les arbitrages aujourd'hui. Ce PPI, cette feuille de route, elle est fixée pour les 6 à 5 années à venir. Tout investissement supplémentaire par rapport à ce PPI devra faire l'objet d'arbitrage. Je crois que 60 millions d'euros par an, nous sommes capables de les porter, mais c'est le maximum que nous sommes capables de porter, très honnêtement. Tout investissement supplémentaire devra faire l'objet d'arbitrage. Je pense par exemple aux autoroutes du quotidien, qui sont un projet qui commence à émerger, que nous n'avions pas anticipé lorsque nous avions fait nos orientations budgétaires. Tout ça, nous devons nous astreindre à fonctionner dans cette enveloppe d'investissement annuel de 60 millions d'euros. C'est significatif, c'est important, c'est ambitieux. Ça demande aussi de la vigilance et des efforts si nous voulons les conduire, mais je crois que c'est un beau challenge que nous avons collectivement à relever pour les 5 années à venir. Être capable d'investir 350 millions d'euros sur 6 ans, c'est quelque chose de fondamentalement important. Ça sera important non seulement pour notre département, non seulement pour le bien-être de nos concitoyens, non seulement pour les services que nous sommes à même d'apporter, mais ça sera aussi également fondamentalement important pour le soutien à notre économie. Et Dieu sait si, par les temps qui courent, des collectivités locales qui investissent, ça permet à notre économie locale de passer des difficultés qui sont pour l'instant extrêmement compliquées pour bon nombre de nos entreprises. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour accueillir vos réactions et éventuellement répondre à vos questions. Merci Patrick pour cette présentation, ce résumé du long rapport des orientations budgétaires que vous avez dont vous avez pris connaissance. Donc le débat est ouvert et je donne la parole à qui, M. Fromm. Oui, j'ai un peu des reflets avec les plexis à droite à gauche. Donc, tendance, si je vous ignore, c'est simplement un défaut d'optique. Très bien. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous souhaitez poursuivre le plan pluriannuel d'investissement
et la gestion de 2020, les ressources attendues pour 2021 vous en donnent les moyens. Je pense même que l'on pourrait envisager une amplification de ce PPI pour répondre à l'ambition que vous affichez. L'investissement d'aujourd'hui, c'est l'emploi, l'activité, le développement de demain. Nous vivons une période particulière où se mêlent la crise sanitaire et ses rebonds, la violence islamiste, le réchauffement climatique. Les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, mais aussi solidarité, laïcité, doivent être rappelées, et tout particulièrement à nos enfants, aux jeunes, dans le cadre de l'école, du collège, des bibliothèques, du sport, des associations. Le rôle du département est important au travers de ces structures parce qu'il permet la formation, la structuration, l'éducation. L'ambition proclamée doit se traduire par un investissement plus important, un engagement supplémentaire dans le domaine du social, du numérique, de la mobilité, du développement durable, de l'énergie et du tourisme. La Banque européenne va maintenir ses taux très bas pendant encore au moins 3 ans. Avec la région Investissons, demandons un droit à l'expérimentation dans le cadre du numérique, du télétravail, où on estime d'ailleurs, il est d'ailleurs du numérique qui devrait se mettre en place dès cette année. Où en est-on de SFR? Où en est-on des contrats? Où en est-on de notre possibilité à développer cet aspect des choses qui est fortement important pour notre département en particulier? Il faut investir plus pour que le monde d'après la crise sanitaire retrouve rapidement les outils, les moyens de sa croissance, une économie plus durable. La crise que nous subissons provoque de la précarité, de la misère. Il faut aider encore mieux les personnes, les ménages, les familles dans la difficulté. Il faut absolument éviter l'endettement des ménages, ce qui pourrait créer à terme une nouvelle bulle financière. La redistribution doit être au cœur de notre ambition. Elle permettra aux plus démunis de ne pas voir grossir les rangs de ceux qui aujourd'hui vivent grâce au Resto du Cœur, au Secours populaire, au Secours catholique, etc. Le futur contrat de plan État-région s'oriente vers la transition écologique, la recherche, la cohésion sociale, la santé, la culture, le changement climatique. Ne sous-estimons pas le changement climatique et nous, montagnards, nous en percevons déjà les effets. Le Chambon, le Pas de l'Ours, les coulées de lave torrentielles, la fonte des glaciers, la disparition du permafrost qui assure le ciment de nos montagnes et qui disparaissent progressivement et remodelant nos massifs. Sans oublier que le permafrost enferme dans ses microstructures des virus, des bactéries, qui demain seront à l'origine de nouvelles pandémies. Le futur contrat de plan État-région prévoit aussi des nouveaux contrats orientés vers des pactes de résilience pour les territoires les plus fragiles, dont nous faisons partie, et des contrats de ruralité prolongés, profitons-en. Tout ceci amène à une maîtrise de fonctionnement en maintenant les dépenses dans une augmentation maximale, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Vice-président, de 1,2%. Il nous faut bien sûr aussi mobiliser les aides significatives de la région, de l'État, de l'Europe, dans le cadre de l'État, le plan de relance, faire jouer à plein notre réalité, la réalité qui est la ruralité. Monsieur le ministre Joël Giraud, écoutez-nous et venez à notre secours pour mettre en place les bénéfices que vous voulez apporter à la ruralité. Prendre la décision, comme vous l'évoquez à un moment, de réduire le plan pluriannuel d'investissement mis en place serait grave pour notre économie et la reprise de l'activité. Il faut au contraire que tous les instruments économiques, financiers, sociaux soient au rendez-vous de la reprise. C'est pourquoi je vous demande de bien réfléchir à un accroissement de l'investissement qui, certes, est dans votre projet, mais qui n'est pas véritablement de l'audace, parce que l'accroissement de cet investissement marquerait une audace et signifierait votre ambition. Voilà, je voudrais terminer simplement en saluant la qualité du travail que vous avez
fait dans le cadre de ces observations budgétaires, Monsieur le Président, à votre vice-président, à toutes celles et ceux qui ont participé à ce travail et à sa rédaction. Merci, Monsieur Fromm. Patrick, tu veux dire un mot avant ou plus tard ? Je vais dire un mot pour répondre à Monsieur Fromm. J'entends ces observations et je me réjouis quelque part qu'il ait évolué. La séance précédente, il disait qu'on se désendettait pas suffisamment vite et aujourd'hui, il nous dit investissez plus. Je comprends. Je le comprends, c'est déjà ce programme d'investissement, il est ambitieux. Jamais le département n'aura autant investi qu'il va être amené à le faire dans les années à venir. Donc il est ambitieux. Si aujourd'hui les grands équilibres financiers ne sont pas bouleversés par des règles financières, des lois de finances, un contexte économique, social qui vienne complètement bouleverser l'équilibre de nos dépenses, je crois que nous sommes capables de le mener à bien. Ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement de notre part. Si on est en mesure d'aller plus loin, et là je ne sous-estime pas la capacité qu'auront l'ensemble des élus départementaux à vouloir mettre en avant des projets, des initiatives, des thématiques. Vous en avez cité quelques-unes qui sont fondamentalement importantes. Le numérique, dans les années à venir, c'est fondamentalement important. Le département se doit d'être là. Donc, le PPI, il fixe le cadre, il fixe le cap, il fixe les grands équilibres. Aujourd'hui, si nous sommes en mesure de faire mieux, bien évidemment, nous le ferons. Mais je ne voudrais pas qu'on mésestime déjà les ambitions qui sont les nôtres et qui sont affichées au travers de ces orientations budgétaires. Ce sont quand même des ambitions qui sont extrêmement significatives et qui relèvent déjà d'un beau challenge que nous aurons collectivement à porter. Merci. Oui, c'est vrai qu'un programme d'investissement à hauteur de 300 millions pour les 5 ans qui viennent, c'est ambitieux pour vu la taille de notre département. Il faut que l'on profite aussi des conditions financières aujourd'hui, donc le recours à l'emprunt qui aujourd'hui ne nous coûte rien. Simplement, on fait de l'investissement, comme tu l'as dit, Gérard, pour l'avenir. Avant d'être encore plus ambitieux que l'on est aujourd'hui, moi, j'aimerais avoir quelques engagements, quelques sécurités par rapport aux ressources principales du département, qui sera ce taux de TVA qui va remplacer la taxe frontière. C'est-à-dire, dès que ce problème entre les départements et le gouvernement sera réglé, on pourra effectivement avoir peut-être encore plus d'ambition que nous l'avons aujourd'hui. Oui, monsieur. Je n'ai pas changé, monsieur Rico. C'est le monde qui a changé. Et donc je m'adapte, comme vous le faites, comme nous le faisons tous. Voilà, je pense que c'est important de le préciser. Madame Grenier, vous avez demandé la parole. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, il y a un peu plus de 5 ans, après un diagnostic sur l'état immobilier des collèges, il nous était bien difficile de choisir parmi les collèges celui qui pourrait bénéficier d'une restructuration, et l'existence même du collège de Serres était en question. Donc après de nombreuses heures de travail et de négociations, l'avenir peut donc, je l'espère, être envisagé avec sérénité. Voici donc où nous en sommes en ce qui concerne les 3 établissements. Donc le collège de la Ragne, c'est environ 15 millions d'euros d'investissement. D'ici la fin de l'année, des entreprises seront consultées en vue d'un début des travaux au cours du premier semestre 2021 et travaux qui devraient durer environ jusqu'au premier semestre 2024. En ce qui concerne le collège centre de Gap, là aussi environ 15 millions d'euros d'investissement. Le concours de maîtrise d'œuvre est en cours. 3 cabinets ont été admis à concourir et le jury se réunira le 17 décembre prochain. Le début des travaux est fixé à l'automne 2021 pour une durée de 3 ans ou 4 ans maximum. Une attention particulière là sera portée au caractère patrimonial du site et des bâtiments existants, notamment la façade du lycée et la structuration de la place de Verdun. En ce qui concerne le collège de Serres et son école du socle,
La réflexion menée par le département avec les différents partenaires, qui étaient la préfecture, l'inspection académique, la mairie, le collège, a permis d'élaborer un beau projet pédagogique qui donne satisfaction à toutes les équipes, qui donne satisfaction à tous, pardon. Et les équipes retenues pour réaliser le concours de concepteurs a été choisie le 27 août dernier. Un élément nouveau est intervenu. Depuis quelques mois, la nouvelle municipalité de Serres a revu la position qu'elle avait eue il y a quelques années, notamment ce qui concerne la mutualisation du centre de documentation et d'information et d'une bibliothèque médiathèque au bénéfice des habitants de Serres en dehors du temps scolaire. Dernièrement, nous avons pu évaluer un dispositif semblable qui a été mis en œuvre dans un collège de l'Hérault. Cette extension du projet fait maintenant l'objet de concertations avec les différents partenaires et la décision sera arrêtée très prochainement. En raison de l'évolution par rapport au projet initial, la phase d'étude et de maîtrise d'œuvre initialement prévue pour cet automne sera décalée d'environ 6 mois, avec un commencement de travaux prévu début 2022. Donc globalement, il s'agit d'un engagement financier de plus de 40 millions d'euros qui témoigne, si besoin était, de la pleine mobilisation du département pour apporter à nos collégiens les conditions les meilleures d'accueil et d'enseignement. Et j'en profite aussi pour remercier les services pour leur implication, leur disponibilité et surtout leur volonté constante d'écoute. Merci, Président. Merci, Madame Grenier. Bénédicte Ferrotin, vous avez la parole. Merci, Président. Chers collègues, le 13 octobre dernier, aux Ors, à l'espace culturel et rencontre des Ors, nous célébrions la culture et l'action culturelle. Nous réunissions de nombreux acteurs culturels pour envisager l'avenir culturel de notre département et en déclinaison de notre schéma culturel. Et là, une journaliste m'a posé cette question qui m'a piquée en me disant « Mais est-ce que vous aurez les moyens de vos ambitions ?» Je crois qu'aujourd'hui, avec ces orientations budgétaires, on prouve bien que nous avons effectivement les moyens de nos ambitions puisque ces orientations budgétaires soutiennent très largement le monde de la culture, les investissements culturels, les acteurs culturels. Et vous savez qu'on a parlé tout à l'heure du milieu du sport, des commerces, tous ces milieux qui sont particulièrement touchés et frappés par la crise. Vous le savez, la culture aussi souffre particulièrement parce que non seulement ils sont privés d'expression culturelle, mais également, et en ce qui concerne les artistes, c'est une question quasi vitale pour eux de s'exprimer par leur art. Donc, nous sommes totalement solidaires de tous ces artistes et vous verrez d'ailleurs, aujourd'hui, nous aurons une délibération de soutien aux arts visuels dont nous parlerons tout à l'heure. Il faut savoir que ces orientations budgétaires ciblent tous nos services qui vont être les bras armés de l'action culturelle dans le département. Et que la devise de l'action culturelle déjà en 2021 pourrait être solidarité numérique et investissement. Solidarité, je vous en ai parlé, c'est la solidarité envers le monde de la culture, mais également envers les collectivités qui portent des projets culturels et les associations qui portent des projets culturels. C'est également le numérique, puisque le numérique est un formidable moyen de diffusion culturelle, surtout en période de confinement. Et puis également les investissements, puisque nous avons des investissements structurants qui vont intervenir sur nos patrimoines et qui vont offrir un visage moderne à l'action culturelle départementale. Les archives départementales vont être l'objet d'un important projet de réhabilitation et extension. Et les archives départementales, ce n'est pas seulement notre histoire que nous transmettrons aux générations futures, mais c'est également un lieu de recherche apprécié de grand nombre d'historiens et également d'expérimentation et de découverte pour de jeunes scolaires, puisque les archives départementales sont très actives en matière de déploiement culturel envers les écoles, les collèges et les lycées. Ce bâtiment, c'est également une formidable réhabilitation, un formidable chantier pour le BTP, que l'on soutient aussi avec cette action. Le musée, lui, va devoir réhabiliter aussi son espace pour offrir un espace moderne et un visage nouveau à l'action culturelle du musée. Mais auparavant, il est important d'écrire
le schéma scientifique et culturel qui fixera les grands axes de ce que doit être le musée du XXIe siècle. Notre bibliothèque départementale, elle, porte un intéressant projet qui est celui d'une plateforme d'accès aux ressources numériques qui sera proposée dès 2021 à l'ensemble des médiathèques du territoire et qui permettra là encore d'accéder à toutes sortes de ressources de façon quasi illimitée pour toutes nos médiathèques et tous leurs usagers. Le CEDRA, lui, va agir en matière de patrimoine culturel des Hautes-Alpes puisque nous allons investir dans notre chapelle de l'abbé Saint-Michel, mais également dans le musée, le château de Montbord, oui, je le cherchais son nom, et puis également le château du Glaisil, qui sont des lieux culturels qui font partie totalement de notre identité. Donc je voulais remercier tous mes collègues qui, en soutenant ces orientations budgétaires, vont soutenir l'action culturelle et faire de cette action culturelle un bel axe de travail pour notre département, une belle politique reconnue en matière culturelle. Merci Bénédicte. La parole est à M. Viosa. Merci Président. Je voulais évoquer un peu le fait de relever donc la place importante réservée à l'environnement sur ces débats d'orientation budgétaire. Quand je parle d'environnement, on oublie un peu tous les efforts qui sont faits par le département sur le soutien qui concerne l'assainissement et l'eau potable dans notre département. On l'oublie un peu parce que ça devient une chose qui est normale, dépenser annuellement plus de 2 millions d'euros pour le soutien aux collectivités qui travaillent dans ce sens-là, alors qu'on sait qu'on travaille dans ce sens pour les collectivités, mais également pour la population, parce qu'on sait très bien que si on n'aidait pas ces collectivités, la charge... le reste à charge pour la population resterait plus important. C'est un travail qui est fait depuis longue haleine, notamment en lien avec l'agence de l'eau, qui permet d'avoir une facilité au niveau des collectivités. Mais lorsqu'on parle environnement, on doit parler également de l'énergie. Ça a été évoqué par M. Fromm tout à l'heure sur le fait que notre département subissait le changement climatique plus que d'autres. Et lorsqu'on sait notamment que 40% de nos logements sont des passoires énergétiques et que le climat fait qu'en fait c'est encore plus difficile qu'ailleurs, on voit très bien l'accent qu'on doit faire dans les futures années. Donc je veux relever aussi aujourd'hui les efforts dans ce débat d'orientation budgétaire et sur les années qui viennent, sur les efforts notamment de manière énergétique. C'est déjà le travail qui était réalisé, n'oublions pas les dernières délibérations qui correspondaient à l'achat de bâtiments pour faire un guichet unique, pour faire la maison de l'habitat. C'est un investissement lourd, mais également il faut savoir qu'au-delà de cet investissement, ça sera les investissements réalisés donc dans ce qu'on appelle le SAR, le service d'accompagnement de la rénovation énergétique, qui correspondra à des enveloppes minimum sur 3 ans de 245 000 euros par an. C'est également en fonctionnement le fait d'introduire dans le giron du département les 2 espaces info-énergie du département. Donc on voit très bien qu'il y a un enjeu très important qu'on soulève et qu'on envisage sur l'avenir. Ça a été évoqué tout à l'heure par Patrick Ricou, le fait de travailler sur l'ARD, sur le SDIS, mais également sur le travail qui a été réalisé et qui va être réalisé sur le photovoltaïque, sur nos aérodromes et bientôt sur notre patrimoine global de notre département, que ce soit les collèges, les maisons techniques, les MDS et nos parkings. Les aides aux tiers, la reconduction du contrat d'objectif chaleur renouvelable, le positionnement sur le programme Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Il y aurait une délibération dans ce sens-là. Je pense que dans les années à venir, l'énergie est un enjeu qui va être primordial et à ce titre-là, le département y est non seulement favorable, mais va être vraiment positionné favorablement par rapport à tout ça. Merci. La parole est à Rémi Audou. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, un plan pluriannuel d'investissement qui est très ambitieux et qui va dépendre, la clé, ce sera la capacité d'autofinancement, la différence entre nos recettes de fonctionnement et nos dépenses de fonctionnement. Comme l'a très bien expliqué Patrick, la grosse inconnue, ça va être sur les recettes.
puisque nous allons changer de fiscalité. Nous ne percevrons plus à compter de 2021 la taxe foncière, nous recevrons une partie de la TVA. Et j'insiste, la partie recette du projet de loi de finances 2021, il a déjà été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc les chiffres que j'ai avancés, ce n'est pas moi qui les ai calculés dans mon coin avec ma calculatrice, c'est le rapporteur général du budget. Je pense qu'on peut quand même, les 4,2 milliards d'euros en moins pour les départements d'ici à 2025, c'est le rapporteur général du budget. Je pense qu'on peut quand même lui faire confiance. Donc les recettes, elles vont être contraintes. Le département maintenant a 0% d'autonomie fiscale. Donc on n'a plus qu'à espérer quand même que notre représentation nationale maintienne un mécanisme, j'espère que le Sénat reviendra sur la partie recette du projet de loi de finances, parce que quand même, nous priver du dynamisme de la TVA, qui était l'argument pour nous dire les départements seront gagnants en remplaçant la taxe foncière par la TVA, c'est quand même doublement malsain, parce que ça ne donne pas une visibilité à long terme, premièrement, et deuxièmement, sachant qu'on va avoir une augmentation des dépenses de RSA, qu'on nous donne quand même les moyens, par le dynamisme de la TVA, de compenser cette augmentation des dépenses. Les dépenses, on va être extrêmement contraints aussi. Il y a une partie infime des dépenses où on a une petite marge de manœuvre, mais en petite. Il y a une grosse partie où on n'a aucune marge de manœuvre. C'est les AIS, les allocations individuelles de solidarité. Sur le RSA, on n'a aucune marge de manœuvre. Ce n'est pas le département des Hautes-Alpes qui fixe ni les critères d'éligibilité, ni le montant. Donc, si on ne nous donne pas les recettes pour assurer cette dépense qui est de la solidarité nationale, effectivement, là, le plan pourrait être compromis. Pour autant, je pense que, malgré tout, il faut maintenir un niveau exigeant d'investissement, parce que l'investissement public, ça a toujours été, en période de crise, une espèce de soupape, un amortisseur des crises. Et l'amortissement public, à 70%, il est réalisé par les collectivités locales. 70%. Donc, effectivement, si nous, collectivités locales, on ne maintient pas un niveau élevé d'investissement, on va accentuer les effets de la crise au lieu de chercher à les amortir. Donc il faut maintenir ce niveau d'investissement prévu dans les PPI, et pour ça on va avoir besoin d'un peu plus de visibilité. Là-dessus, je compte vraiment sur la représentation nationale pour nous donner la visibilité et nous soutenir face à la période difficile. Merci Rémi. Monsieur Parra, vous aviez sollicité la parole. Merci Président. Monsieur le Président, chers collègues, dans le cadre de ces orientations budgétaires, je souhaite insister sur une spécificité du département des Hautes-Alpes, qui n'est pas pratiquée par tous les départements, loin s'en faut. Le département est engagé aux côtés des collectivités pour les aider à développer leurs projets. On leur apporte un soutien technique avec la plateforme d'ingénierie IT05 qui permet de monter les dossiers et les financements. On apporte aussi un soutien financier avec une contribution du département à chaque projet engagé localement, comme le rapportait Marc sur certains projets. Ce sont ainsi 12 millions d'euros qui sont mobilisés chaque année au profit des communes et associations alpines. 12 millions d'euros qui leur permettent de mener leur projet à bien. Il ne faut pas minimiser cette intervention, loin s'en faut. Sans cette participation du département, qui représente souvent 25 ou 30% du financement, les petites communes de notre territoire ne viendraient pas au bout de leur projet d'investissement ou beaucoup plus tard. Cette politique du fait de l'effet multiplicateur permet également aux entreprises essentiellement locales de travailler partout sur notre territoire. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Merci, Lionel. Monsieur Tenou. Merci, Président, de me donner la parole. Donc, je voulais réagir au propos de mon collègue Gérard Franck, qui m'a fait un appel du pied sur différentes thématiques, notamment le numérique. Donc, la question, où en est-on donc, de la construction du réseau ? SFR avance à beaucoup de communes du département. À certains endroits, ça va très vite. À certains endroits, ça va un petit peu moins vite, pour différentes raisons techniques, souvent liées à l'opérateur historique, qui doivent utiliser les réseaux de l'opérateur historique. Mais je me dis que votre intervention me permettait aussi de voir combien notre choix avait été important, avait été crucial pour ce que nous vivons aujourd'hui. Donc les thématiques que vous avez abordées, que ce soit le numérique, que ce soit la transition énergétique, que ce soit également le social, combien ces choix étaient importants, et si nous ne les avions pas faits à l'époque, où en serions-nous aujourd'hui? Je pense qu'on serait dans une situation réellement catastrophique. Concernant le numérique et les infrastructures, donc, j'ai dit pour ce qui est donc, le déploiement de la fibre optique. Un mot sur le New Deal.
qui se déploie aussi sur notre département. De nouveaux sites ont été retenus. J'en rappelle quand même que la première équipe projet au niveau national avait été mise en place dans le département des Hautes-Alpes en partenariat avec l'État. Là aussi, nous avons été les premiers. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, les infras, il ne faut pas se satisfaire que des infras. Il y a, vous l'avez dit, l'inclusion numérique. Et là, nous sommes au milieu du guet. Ne rien faire sur l'inclusion numérique, ça mettrait à néant en partie le travail qui a été réalisé sur les infrastructures. C'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui au Conseil départemental sur cette problématique-là. On se rend bien compte que chaque partenaire au niveau de nos départements fait de son mieux pour développer des outils qui soient mis à disposition de notre public. Et là, on a un rôle crucial, c'est comme ça que nous l'avons identifié. Nous devons, nos départements, rentrer dans ce jeu de façon à apporter de la visibilité. Parce qu'on voit ô combien c'est important d'essayer de fluidifier ces dispositifs, parce que bon nombre de nos concitoyens sont complètement perdus souvent. Et le trop étant l'ennemi du bien, l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, et nous y travaillons, il y aura des propositions qui seront faites dans cet hémicycle, apporter de la lisibilité pour que tout un chacun puisse très facilement maîtriser ses outils et maîtriser tout ce qui va derrière. En tout cas, la crise qui sévit en ce moment sur notre pays nous laisse voir combien ces outils méritent d'être maîtrisés par tous nos concitoyens. Un mot pour compléter les propos de mon collègue Marviosa concernant cette maison de l'habitat. Il n'a pas cité le terme. Là aussi, nous avons été précurseurs, puisque vous ne trouvez pas, ou très très peu, de maisons de l'habitat en France. Le diagnostic est extrêmement simple. Il s'agit de réunir l'ensemble des opérateurs qui œuvrent dans ce milieu-là, sous un même toit, et également apporter une lisibilité numérique. Parce que là aussi, on voit tous les trois matins 10 milliards par-ci, 10 milliards par-là, 10 millions de notre côté. Mais lorsqu'on va essayer de remplir les dossiers, c'est extrêmement compliqué. Donc là, nous sommes en train d'y arriver, d'apporter une lisibilité, c'est-à-dire là aussi, pour que chaque Haut-Alpin puisse de façon extrêmement simple pouvoir bénéficier de ces aides. Parce que le constat qui a été fait là aussi, c'est que beaucoup d'outils, mais beaucoup renoncent, et c'est là qu'il y a un effet levier qui est extrêmement important, qui appelle pas forcément des dizaines de millions d'euros, qui appelle un peu de bon sens, qui appelle à se mettre autour d'une table en y associant l'ensemble des partenaires qui souhaitent y travailler. Moi, personnellement, j'ai interpellé l'État également, qui a un certain nombre de partenaires qui viennent de l'État, pour qu'il y ait une très grande lisibilité, une très grande facilité pour que nos concitoyens puissent bénéficier de tous ces outils. Le pire serait de ne rien faire et de ne pas anticiper cette situation, parce qu'on verrait des milliards d'euros fléchés dans tous les sens, mais nos concitoyens n'en bénéficieraient pas. Alors ce travail, vous savez, je peux vous assurer qu'on est en train d'y réfléchir, et en tout cas, ça m'entraînera fort à cœur de pouvoir aboutir sur ce dossier. Enfin également, vous abordez la problématique sociale. Le nombre de bénéficiaires du RSA qui a littéralement explosé. Et quand on fait un retour en arrière, il y a un an, on était dans cet hémicycle à peu près pour parler des OB. Qui aurait pu imaginer ce qui allait se passer ? Personne. On parlait, pour les plus avertis, on entendait parler d'un pangolin, d'une chauve-souris, mais personne ne pouvait imaginer cette situation. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un deuxième confinement. Certains experts nous parlent d'un troisième, d'un quatrième. Qui peut imaginer ce qui va se passer dans quelques mois ? Personne. En tout cas, sachez que le travail qui a été fait dans le domaine de l'insertion, je l'ai souvent dit, il a été très bien fait. Il y a des projets aujourd'hui, mais je reste persuadé qu'au regard de ce qui risque d'arriver, il va falloir prendre la mesure de cette situation. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il faut y réfléchir aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Bien. Monsieur Cana, vous voulez dire un mot des routes, peut-être ? Oui, tout à fait, monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, vous dire, monsieur le Président, que Territoire du Guiers-Roi-Queyras est plus que solidaire avec vos propos introductifs par rapport aux attentats
que la France et l'étranger ont subi. Dernièrement, il y a eu une marche silencieuse entre la mairie de Guillestre et le collège de Guillestre pour rejoindre le principal du collège. Et dernièrement, dimanche, jour de la Toussaint, les élus se sont rassemblés autour du prêtre de Guillestre sous le porche de l'église par rapport aux attentats de Nice. Et nous serons toujours proches de la population et toujours solidaires par rapport à tout ce qui se passe. Je crois, Monsieur le Président, aussi que Monsieur Fromm l'a reconnu tout à l'heure, un vrai document d'Aubé qui nous est proposé. Donc, merci Patrick de nous présenter ce document, un document qui ne résume pas que 2021, mais sur un PPI de 2021 à 2025. Donc, merci Patrick et merci à l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce document budgétaire. Comme on nous a pu nous le reprocher les années précédentes, c'était un copier-coller. Ben on peut dire que cette fois-ci, ce n'est pas un copier-coller, c'est bien un document budgétaire. Des économies de fonctionnement, un désendettement et une part belle à l'investissement. Je regarde un petit peu, Monsieur le Président, par rapport aux routes, c'est plus de 100 millions d'euros qui vont être investis sur les routes. Mais écoutez, de quoi se satisfaire, de quoi dire qu'on est satisfait. Quand bon. Ça ne va pas, je sais vous le dire, mais quand ça va, il faut aussi le reconnaître. La 1075, la 1091 ou la RD 942, que dernièrement, avec mes collègues du canton de Tallard, on l'a évoqué, un calibrage de la 942 qui sera l'étude entre la sortie de l'autoroute en direction de la RN 94, notamment Carrefour des Pêcheurs, le Carrefour du Lot et j'en passe et d'autres. Donc, pas mal de travaux qui seront faits sur ces itinéraires-là. Patrick Ricou l'a évoqué, un tout nouveau projet, les autoroutes du quotidien. Autoroute du quotidien, c'est un beau projet qui sortira, s'il faut en être maître d'ouvrage, Monsieur le Président. Je pense que le département, pour gagner du temps, pourrait aussi mettre d'ouvrage cette opération qui sera menée conjointement entre l'État et la région. Il s'agit de relier la sortie de l'autoroute en direction de Gap et la future OCAD qui devrait être inaugurée sous peu. C'est-à-dire par la RN 85 qui passerait en deux fois deux voies. Donc globalement, ce serait 30 millions d'euros qui seraient investis sur ce secteur-là, avec une participation du département qui serait à hauteur de 9 millions d'euros. Patrick, tout à l'heure, tu as cité un petit peu les 950 ponts, les 23 tunnels, les 2000 mètres linéaires de murs, les 500 ouvrages d'art. Et tout ceci se situe à plus de 1000 mètres d'altitude, ce qui veut dire que notre réseau routier souffre beaucoup. Sur le calibrage, j'ai parlé tout à l'heure de calibrage la 942, mais il faut rajouter, parce que bon, on ne peut pas citer toutes les opérations, mais citer le carrefour Notre-Dame-du-Lot, comme je l'ai dit, la création d'un giratoire à Monétier-les-Bains, et un carrefour qui tient à cœur aussi à nos collègues, c'est l'aménagement du carrefour de l'Archidiacre, qui sera aussi à l'étude. On aura fini avec le pas de l'ours et maintenant on va commencer par la 994G par la Clarée. On travaille, on peut dire, comme on a fait sur la 947 à Château-Quéra avec la communauté de communes, le GEMAPI et le PAPI avec le Guillestre-Quéra. Il faudra qu'on fasse de même avec le Briançonnet, avec la communauté de communes pour tout ce qui est GEMAPI. Parler aussi de quelque chose qui nous tient à cœur quand on se veut département cyclable, même si le Tour de France n'arrive pas chez nous cette année, c'est la réalisation d'aménagements cyclables sur le territoire, et notamment sur tout ce qui est Val de Durance. Les aérodromes ne seront pas oubliés, puisqu'on va mettre à peu près presque 3 millions d'euros sur les aérodromes. Marc Viossa pourrait le dire aussi bien que moi, sur toute la partie déploiement du photovoltaïque sur nos aérodromes. Mes propos, Monsieur le Président, chers collègues, ne seraient pas complets si je ne parlais pas du SDIS. Le Alors... SDIS, tout à fait, Monsieur le Président. Une bonne nouvelle et un appui de votre côté. Je crois que le colonel directeur du SDIS peut se joindre à moi là-dessus. On va faire un avenant à la convention qui se termine cette année. Cet avenant à la convention que nous avons signé ensemble. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que vous mainteniez l'augmentation qui est prévue sur cette convention qui a près de 5%, Jérôme, je crois. Non, pas tout à fait. Non, un peu plus bas. Monsieur Canan, nous ne sommes plus dans les orientations budgétaires. Là. Voilà.
Donc, oui, tout à fait. Mais ça fait partie des orientations budgétaires. Donc, une augmentation, je crois, qui est à 2,7% ou 2,3% qui se monte à 157 000 euros. Je ne vous cache pas que nous sommes quand même pas mal inquiets sur la prime de feu qui va être à la charge du SDIS, qui a été votée dernièrement à l'Assemblée nationale avec, on peut dire qu'il y a une contrepartie qui va être donnée, mais restera une partie à la charge du SDIS. On ne vous demandera rien, Monsieur le Président, là-dessus, chers collègues. Si vous voulez mouchoir, vous pleurez, je vous le donne. Par contre, j'ai l'accord de Patrick Ricou de ce matin, pas plus tard que ce matin, que si nous avions besoin, à un moment ou un autre, des recettes du département pour nous aider, pour boucler notre budget, on fera appel, bien entendu, au département. Bon, voilà. Pour terminer mes propos, Monsieur le Président, cette fois, j'en ai fini avec les orientations budgétaires, puisque dernièrement, nous avons donné... un architecte Gapensé, la MSAP, la MDS de Guillestre. Ces travaux vont commencer. Ça complète un peu les propos de Marie-Yvonne Grenier sur toute la partie bâtimentaire. C'est un projet de 4,5 millions qui va se réaliser. Je sais que Marie-Noël le regarde de près aussi, ce projet-là, qui, pourquoi pas, va faire des petits dans d'autres secteurs, notamment en Veynes ou dans d'autres secteurs du département. En tout cas, Monsieur le Président, Patrick, félicitations pour ce rapport d'orientation budgétaire. Merci. Madame Truffem, Anne, vous avez la parole. Merci, Président. Moi aussi, je tiens à féliciter Patrick et tous les services pour le travail qu'ils ont effectué et nous proposer un PPI à cette hauteur. Rémi, tout à l'heure, nous mettait quand même un peu en garde par rapport au financement de l'État et donc de nos recettes. Et donc là, je viendrai vous poser la question de savoir si éventuellement, alors, je ne voudrais pas que ça soit... Je ne veux pas être très négative, mais si éventuellement les stations de ski venaient de pas ouvrir, avez-vous estimé l'impact financier sur justement les orientations budgétaires et éventuellement, Président, ce que vous avez eu le culot les années précédentes de prendre un arrêté quand on voulait nous obliger à rouler à 80 km/h dans le département, vous avez quand même fait ce qu'il fallait pour que... on puisse justement dépasser cette problématique, ainsi que de remettre la queue d'un loup à la préfète. Donc je me demandais si ça ne serait pas bien de pouvoir anticiper éventuellement cette fermeture que je ne souhaite pas, mais qu'au moins toutes les stations, les entrepreneurs puissent dès maintenant pouvoir engager du personnel pour préparer l'ouverture des stations de ski. Alors, on a dépassé largement le cadre des orientations budgétaires pour 2021. La situation économique est liée à l'activité des stations de montagne, qui est importante dans notre département, elle n'est pas remise en cause aujourd'hui. La crise sanitaire va peut-être, mais ça, j'en sais rien aujourd'hui, personne n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a plutôt une tendance qui est plutôt favorable sur l'ouverture de cette saison 2021, mais elle peut être inversée à cause de la crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, les exploitants de remontées mécaniques se mettent en ordre de marche pour ouvrir leur site, comme prévu, à partir de la fin novembre, dans quelques semaines, en fait, dans 3 semaines. Il y a des sites qui doivent ouvrir, comme à Montgenèvre, comme à... Qui c'est qui doit ouvrir? Il y a plus de 20 ans qui doit ouvrir vers à la fin du mois de novembre. Bref, tout le monde est en piste. Il n'y a pas d'alarmisme à mettre en avant, et encore moins sur l'avenir des stations de sport d'hiver. Je veux dire, les plus pessimistes disent qu'on fera encore du ski dans 50 ans dans 90% des stations des Hautes-Alpes. Donc, alors ça, c'est plus... là, il faut se retourner vers d'autres... Nous jouerons notre rôle, nous, là-dedans, mais notre rôle sera excessivement limité. C'est plus l'organisation que l'on connaît aujourd'hui qui sera à même de prendre des décisions et d'assumer les conséquences de ce qui pourrait se passer. Si cela devait arriver, moi, je ne veux pas l'envisager. Il ne faut pas qu'on donne une mauvaise image. Moi, je suis... on doit rester positif dans cette affaire-là. Malgré la crise sanitaire, on continue à travailler. Tout le monde a besoin de travailler pendant l'hiver. Ça représente des milliards... Au niveau du territoire alpin, pas que les Hautes-Alpes, mais sur le massif alpin, par exemple, ça représente des milliards en termes économiques. Donc non, ne soyons pas des oiseaux de mauvais augure, mais plutôt
il vaut mieux peut-être demander au docteur Blanc de nous faire un nouveau compte en fin de séance. Là. Peut-être la suite de la fable de Monsieur de La Fontaine, avec une version un peu plus actualisée, si vous avez si vous avez eu une bonne inspiration, ou bien faudra-t-il faire notre délit pour susciter l'émergence d'un nouveau poème dans cette assemblée. Bon, allez, pour rester un peu ne soyons pas alarmistes à ce point-là. Bien, qui c'est qui m'a demandé la parole? Madame Didier, vous vouliez prendre la parole? Je donnerai la parole à Madame Boyer pour faire un tour d'horizon un peu plus généraliste. Merci, Président. J'aimerais revenir rapidement sur ce qu'a dit mon collègue Marcel Cana, parce qu'à l'image de la politique ambitieuse du département concernant les bâtiments des collèges, nous avons aussi une politique ambitieuse pour nos bâtiments, nos MDS, puisque depuis plusieurs années, nous avons réhabilité plusieurs MDS. Nous avons commencé par celle d'Embrun qui a été réhabilitée complètement en 2017. Ensuite, il y a eu la MDS de Beaune et actuellement celle de Cézanne. Donc, comme l'a dit Marcel Cana, là, c'est au tour de la MDS de Guillestre qui va être complètement reconstruite. Et on a encore des projets futurs concernant Vennes ou bien l'Argentière. Et donc, je tenais à le souligner et à m'en féliciter. Merci. Allez, on va clôturer ce tour d'horizon autour du rapport des orientations budgétaires. Je redonnerai la parole à Patrick s'il le souhaite enfin, mais avant, je la donne à Madame Boyer. Merci, Monsieur le Président. Oui, on va essayer d'être un peu plus optimiste que pessimiste à la fermeture des stations définitives. Je pense qu'on n'en est pas encore là, heureusement. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, mais je partirai à midi parce que justement, nous avons une réunion ce soir avec Jean-Baptiste Lemoine, justement pour discuter de tout ça. Donc, je suis obligée de quitter l'hémicycle pour rejoindre Paris, même si c'est en visio, mais bon, autrement, ça sera dans le train et tout, ça sera compliqué. Donc, il faut que j'arrive à Paris avant le début de cette réunion pour pouvoir communiquer. Autrement, le train, c'est un peu compliqué. Nous l'avons vu déjà l'autre jour, en réunion préfecture, où passer de la 3G à la 4G et les coupures, c'était un peu compliqué pour communiquer. Donc, pour revenir aux orientations budgétaires, oui, bien évidemment, ce sont des orientations budgétaires sur un pluriannuel, un plan pluriannuel d'investissement. On est bien d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même des élections l'année prochaine. Peut-être qu'elles seront repoussées, on n'en sait rien. Pour l'instant, ça n'est pas décidé, mais en tous les cas, il va y en avoir prochainement. La date, nous ne l'avons pas encore, mais enfin, nous l'aurons certainement aussi prochainement. Bien sûr, c'est bien de faire une démonstration d'orientation budgétaire avec de très beaux projets, ça il faut le reconnaître, c'est tout à l'honneur des élus et des services du département, mais jusqu'à preuve du contraire, passons les élections et ensuite nous verrons comment la nouvelle équipe ou l'ancienne équipe. Mais quelle élection ? Après, si l'équipe actuelle reste en place, vous pourrez développer vos orientations budgétaires. Si une nouvelle équipe arrive, nous verrons ce qu'il en adviendra. Je pense que tout ce qui a été décliné ce matin, va s'appuyer aussi, et j'ose espérer, sur le plan de relance de 100 milliards d'euros lancé par le département. Parce qu'un élu, pour ne pas le citer, M. Rémi Audou, m'a dit qu'il comptait sur la représentation nationale. Mais la représentation nationale compte aussi sur les territoires et les collectivités territoriales pour proposer des projets. Sinon, la représentation nationale, effectivement, ne servira pas à grand-chose. Donc, c'est quand même... les projets doivent venir des territoires, des collectivités territoriales, des départements, des communes, des EPCI, mais ce sont les collectivités qui doivent proposer leurs projets, et effectivement, après, ils seront soutenus par la représentativité nationale. Donc, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de tous les millions et les milliards qui sont mis dans les différents... dans les différents plans, en sachant quand même qu'il y a quand même aussi... Avec nos orientations. Comment ? Dites-moi simplement que vous êtes d'accord avec nos orientations.
Je veux dire, tout le monde peut être d'accord avec vos orientations, mais comme je viens de vous dire, le problème, c'est qu'on ne sait pas si les orientations vont pouvoir être mises en place à un moment ou un autre. Il y a, voilà, il y a quand même des élections dans moins d'un an. Vous le verrez donc, dans un mois. Peut-être que dans un an, nous pourrons nous revoir, peut-être. J'en sais rien si nous serons tous dans ce même hémicycle ou si les têtes auront changé. Mais en tous les cas, je pense que c'est à ce moment-là que nous pourrons rediscuter d'un plan pluriannuel d'investissement. En ce qui concerne les investissements routes, effectivement, comme l'a dit M. Cana, 30 millions d'euros, mais pour les routes du département, mais l'État en met aussi une bonne partie. Je voudrais revenir quand même au pessimiste de Mme Truffem. En ce qui concerne les masques dans les collèges, moi, j'ai été assister à un hommage à l'école Pasteur. Écoutez, la directrice de l'école m'a quand même pas défini un tableau aussi pessimiste, bien au contraire. Et ce sont quand même des enfants qui vont de la maternelle jusqu'au CE2 dans cette école. Donc voilà, elle m'a dit que ça pouvait se passer bien. Au niveau du conseil d'administration du collège Champ, la concertation a été faite avec les parents, les enseignants et les élus. Et visiblement, même s'il y a quand même quelques petits soucis d'adaptation, tout se passe quand même relativement bien. Au niveau des commerces, bon, je ne vais pas revenir dessus. Et au niveau des chevaux, nous sommes en concertation et je peux vous assurer que nous mettons une pression forte au niveau du gouvernement pour qu'effectivement les propriétaires de chevaux puissent s'occuper de leurs animaux, puisque nous ne sommes pas dans le même contexte qu'au printemps dernier. En ce qui concerne les stations de ski, bien évidemment, nous avons déjà eu une visio dimanche après-midi avec Olivier Véran. Je lui ai déjà soumis l'idée qu'il fallait vraiment accélérer sur le protocole de la mise en place de l'ouverture des stations, parce que c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'effectivement, il y a le protocole à mettre en place, aussi bien pour préserver les saisonniers, parce que les saisonniers vont être confrontés quand même à un afflux de touristes, et il ne faudrait pas non plus qu'on se retrouve avec des clusters et des salariés qui ne puissent pas travailler et puis qui soient effectivement malades. Mais il y a aussi toute la précaution à prendre au niveau du tourisme, des touristes qui viendront, et j'espère nombreux, dans nos stations cet hiver. Après, la date, effectivement, ça va être peut-être un peu compliqué d'ouvrir une station fin novembre, ça c'est clair, puisque le confinement est pour l'instant prévu jusqu'au 1er décembre, mais nous mettrons tout en œuvre pour qu'effectivement ces stations puissent ouvrir, comme vous l'avez dit, sur l'arc alpin, mais sur l'arc pyrénéen, dans le massif central, enfin, partout où il y a de la montagne, on va dire. Et ayant été élue secrétaire générale de l'Association nationale des îles de la montagne, je peux vous dire que je suis quand même pas mal impliquée sur le sujet actuellement. Voilà, donc pas de pessimisme, de l'optimisme, parce que nous avons besoin de cette économie dans nos territoires. Nous l'avons vu cet été, les touristes sont venus, donc il n'y a pas de raison que cet hiver, les touristes ne viennent pas. Très bien. Et j'en profite pour vous féliciter. J'avais oublié de le faire, parce que j'étais pas en Corse à l'occasion de la dernière réunion de la NEM. Je vous félicite pour votre élection au poste de secrétaire général de la NEM, qui présage, en principe, si les règles de cette association sont respectées, que vous en serez la présidente dans 2 ans. Mais, entre-temps... Monsieur Murgia, pour terminer cette... Je vous remercie. Non, mais c'est juste pour rebondir. Je voulais juste poser une question à Madame Boyer. En décembre de l'année prochaine, en décembre 2021, vous allez bien voter le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Bon. Et pourtant, vous ne savez pas si c'est vous qui allez l'appliquer à partir de juin 2022. Ben voilà, c'est tout. Très bien. Bien. Allez, la présentation du rapport des orientations budgétaires ne donnant pas lieu à un vote. Je clôture, sauf si Patrick... Mais je vais redonner la parole à Patrick Ricou, qui, lui, a un autre rapport à nous présenter sur la décision modificative numéro 4. Sur le rapport d'orientation budgétaire, je n'aurai rien à rajouter, si ce n'est que le département, avec cette ambition, ses projets, démontrent la pertinence de ce niveau de collectivité dans des territoires comme les nôtres. Et je crois que dans cette période tellement particulière, cette présence départementale est encore plus importante dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines des solidarités,
de l'investissement, de l'aménagement, mais aussi dans la capacité qui est la nôtre à être réactif. Et je crois que la proximité permet aussi bien souvent une réactivité qui doit être soulignée. Et la plus grande des difficultés, j'entendais Mme Boyer sur effectivement la nécessité de déposer des projets dans le cadre du plan de relance, c'est que j'invite la représentation nationale à vraiment s'emparer de ce sujet-là, parce que trop souvent, les projets n'aboutissent pas, ne sortent pas, prennent du temps, trop de temps dans notre pays, malheureusement, et ça se fait bien souvent au détriment. Les budgets sont là, les crédits sont là, mais malheureusement, les projets ne sortent pas parce que trop de lourdeurs, trop de difficultés, trop d'étapes administratives. Et dans ces périodes-là, très compliquées, où on a besoin d'être efficace, réactif, je crois qu'il faut que nous soyons particulièrement vigilants sur ce point-là. Et de ce point de vue, le département, on l'a vu sur le cas du Pas de l'Ours, le département est capable d'être très réactif et d'être efficace en peu de temps et de fort belle manière. Donc c'est aussi ça qui doit nous animer dans l'action qui doit être la nôtre. Et je crois que le département, dans les années à venir, dans les mois à venir, aura toute sa place. Et j'espère que les grands équilibres financiers seront préservés pour ce niveau de collectivité-là et qu'on puisse continuer l'action de proximité qui est la nôtre. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous avez portée les uns et les autres à ce rapport d'orientation budgétaire. Et je tiens à féliciter l'ensemble des services qui en ont été les rédacteurs. Et je m'associe à vos propos, Monsieur le Président, concernant Béatrice Chevalier et le travail qu'elle a conduit au sein de cette collectivité, et en particulier sur la rédaction de ce rapport. Très bien. Allez, je vous invite à... Alors, je vais demander quand même à tous les rapporteurs de ce matin, compte tenu de leur avancée, d'être brefs dans leurs propos quand ils vont présenter leur rapport. Et ça commence avec la DM4. Alors la DM4 sera très simple et sera, je pense, assez très rapide à présenter. Deux sujets dans cette DM4, deux sujets essentiels. Donc d'abord intégrer la revalorisation de la ligne budgétaire liée aux allocations RSA. Nous avions déjà abondé cette ligne en DM3. Il est nécessaire de conduire un nouvel abondement à hauteur de 1 489 000 euros. Également les crédits nécessaires à une opération de solidarité à l'égard des habitants des Alpes-Maritimes victimes de la toute récente tempête Alex, avec un abondement au fonds déployé par l'Association des départements de France de 30 000 euros, et ainsi qu'une opération de solidarité à l'égard de domaines skiables de Risoul, la commune de Risoul, avec les crédits nécessaires pour que cette commune puisse faire face aux difficultés de trésorerie économique qu'elle connaît en cette fin d'année, lui permettre de préparer dans de bonnes conditions la saison hivernale. Donc la commune de Risoul gère encore les déboires et les difficultés liées à la disparition des sociétés de remontée mécanique, la Sermon et la Sarah, donc qui se traduit par des créances irrécouvrables qu'il faut pour cette commune digérer à hauteur de 6 millions d'euros. Donc c'est colossal. Nous avions soutenu la commune de Risoul il y a quelque temps, et avec également une avance de trésorerie qui a complètement été remboursée. Aujourd'hui, ils nous sollicitent à hauteur de 400 000 euros pour boucler la fin de l'année de cet exercice budgétaire. Et également une avance de trésorerie au syndicat mixte des stations du Champsaur pour pallier cette difficulté liée à la saison dernière qui a été plutôt mauvaise pour les stations villages du Champsaur. Et également les relais de trésorerie pour les subventions dans le cadre des contrats de station avec la région. Donc une avance de trésorerie de 50 000 euros. Voilà, mais ça, tout cela fera l'objet d'un rapport plus ultérieur. Cette DM, on en a une synthèse chiffrée. Donc elle s'équilibre à hauteur de 362 575 euros en investissement et fonctionnement. Voilà, les principaux éléments, c'est ceux dont je viens de vous parler. Le reste, ce sont des petits ajustements qui sont vraiment marginaux. Et également une DM concernant le budget annexe du laboratoire départemental vétérinaire pour intégrer les dépenses et recettes liées
au Covid, dépenses donc à la fois de personnel et des dépenses directes liées aux tests, ainsi que les recettes correspondantes à hauteur globalement de 203 000 euros. Voilà. Très bien. Sur cette décision modificative numéro 4, y a-t-il des commentaires, des observations ? Il n'y en a pas, je la mets aux voix. Allez. Elle est adoptée, je vous en remercie. Je vais passer la parole à Madame Didier. Il s'agit du renouvellement de la convention entre le département et la CNSA, cette convention qui définit les relations entre le département et la CNSA et qui couvre l'ensemble du domaine commun du département et à la CNSA. Donc il s'agit de la maison départementale des personnes handicapées, des concours financiers pour l'APA et la PCH, les financements de la conférence des financeurs, la modernisation de l'aide à domicile, le soutien à la recherche et à l'innovation. Voilà tout ce qu'on peut trouver dans cette convention. C'est une convention socle 2021-2024, dite de méthode, qui est proposée aujourd'hui au vote, et dans un second temps, une feuille de route stratégique et opérationnelle formalisera les engagements réciproques entre la collectivité et la CNSA. Très bien. Des observations sur ce rapport ? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Le rapport est adopté. Toujours Madame Didier pour nous parler d'une prime Covid. Oui, nous avons voté à la dernière session une prime afin de reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile. La délibération donc, qui prenait en compte la répartition proposée par la CNSA. Depuis, la CNSA a notifié une nouvelle répartition et le département s'est vu attribuer une somme diminuée de 1 743 euros qui modifie les sommes allouées aux différentes structures. Voilà. Très bien. Madame Mostaghi, vous avez la parole. Merci, Président. Je voulais juste souligner que cette enveloppe de 447 000 euros versée aux services d'aide et d'accompagnement à domicile démontre que le département reconnaît le travail effectué par des personnes dévouées au service des personnes dépendantes. Ce geste du département montre, une fois de plus s'il le faut, que notre collectivité s'est engagée sans hésitation dans la lutte contre la pandémie, comme ce fut le cas à la rentrée avec la distribution de masques pour les collégiens, mais aussi en organisant la distribution de denrées alimentaires issues de la production agricole locale auprès des plus démunis via des subventions aux associations caritatives. Oui, nous sommes là pour, de manière concrète, faire de la vraie solidarité l'ADN de notre institution. On est là. Merci, Président. Madame Boyer. Oui, moi, c'est juste une question technique. Donc, pour ça va se passer pour le paiement de ces chèques, enfin, la distribution de ces chèques, plus exactement, cofinancés par l'État et le département auprès des structures, des établissements. Nous allons verser aux différentes. Le département va verser aux différentes structures suivant la répartition donc qui est notée dans le rapport. Et après, ce sera à la structure de répartir entre les différents salariés en fonction au prorata de ce qu'ils ont travaillé pendant la période du confinement. Le département verse directement aux structures. Hein. Qui répartiront elles-mêmes. Et après, on aura quand même un œil pour vérifier comment s'est fait cette répartition. Très bien. Avant le 31 décembre. Voilà. Bien, allez, je mets ce rapport en voie. Il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La parole est à M. Canard. Pourquoi il. Dany voulait la parole ? Ah non. Bien, M. Canin. Oui, c'est pour deux délaissés.
de voirie départementale, un à UPEX et l'autre à Risoul. À UPEX avec la commune et à Risoul c'est avec un privé. Et l'autre c'est des régularisations foncières sur la RD480T qui conduit à la Chapelle à Valgaudemar et notamment aussi du Jaubernet. Cette route n'a jamais fait l'objet d'acquisition de parcelles. Elle est construite en totalité sur du privé. Et aujourd'hui, nous voulons régulariser tout cela avec des prix qui varient de 20 centimes le mètre carré à 7 euros le mètre carré, suivant les règles d'urbanisme. Très bien. Allez, il n'y aura pas de commentaires là-dessus. Je le mets directement aux voix. Bien, le rapport est adopté. Toujours M. Cana pour nous parler des projets photovoltaïques aux aérodromes. Très bien. Des observations sur ce rapport ? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Il est adopté. Je vais passer la parole à Gérard Tenoul pour nous parler du logement social, la CUS. Ta demande ? Oui, Madame Chauvet. Je prends pas au vote et je me retire. Je vous en prie. Ce public de l'Habitat 05 a établi, conformément à la loi Elan, la convention d'utilité sociale. Pour une période de 6 ans, ce document précise les engagements en matière de politique patrimoniale, de développement de l'offre, de politique sociale et de qualité du service rendu aux locataires. Il est proposé d'approuver en l'état les termes de la convention d'utilité sociale de l'OPH, en émettant cependant des réserves sur le traitement envisagé de la réhabilitation thermique des logements et en sollicitant de l'office public un complément à cette convention sur l'aspect rénovation énergétique du patrimoine comprenant 1. Une ambition plus affirmée de réhabilitation de logements sur la période considérée de 2019 à 2026, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, et 2. Une maquette financière affichant les différentes pistes de financement de ce programme pluriannuel. Merci. Des commentaires sur ce programme, ce rapport. Madame Mostaghi. Oui, je tiens juste à souligner que cette CUS est une base pour le travail énergétique qui doit être fait, mais qui peut faire plus, peut faire moins, je ne sais plus comment on dit, mais qui peut faire moins, peut faire plus, voilà. Donc, si on a les moyens, si l'OPH a les moyens, aidée par le département, elle fera plus que ce qui est marqué dans la CUS. Oui, les observations qui sont faites tiennent simplement à souligner l'effort important qui doit être réalisé dans ce patrimoine départemental HLM qui est d'une grande envergure par rapport à la taille du département, qui représente un patrimoine de premier ordre et qui ne doit pas être, bien entendu, délaissé ni abandonné, il doit être restructuré parce qu'il y a un vrai potentiel pour nos concitoyens. Et simplement, il faut y mettre tous les moyens. Et la question, c'est est-ce que l'Office aujourd'hui a les moyens et quels moyens l'Office va mobiliser pour obtenir rapidement des résultats sur peut-être les 2/3 de son parc actuel. Voilà, c'était simplement ça les observations. Et peut-être que demain, le département s'engagera encore plus dans cette politique. Je voulais simplement vous faire remarquer que dans la dernière ligne du rapport, le rapport, il faut le rédiger autrement. Je veux dire, les observations dont Gérard Tenoux vient de faire état et que je viens de relayer ne sont pas une condition à la signature de cette CUS. Donc je vous demande de modifier la dernière ligne, autoriser le président simplement à signer cette convention d'objectifs on maintient les observations qui sont dans le corps du rapport, mais je vous demande aujourd'hui, dans ce rapport, l'autorisation de signer cette CUS. Voilà.
on pourra prendre profit du plan de relance de l'État pour justement peut-être aller en ce sens. Aurélie Poyot a demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Et je vous remercie de dire que, justement, on souhaite signer cette, le département souhaite signer cette convention, mais en prenant compte de certains amendements que doit apporter l'OPH. Nous, ce que l'on aimerait, c'est que, justement, on ait ces amendements, on ait ces précisions, à la fois ces précisions programmatiques, mais aussi ces précisions financières pour pouvoir signer cette convention. Car aujourd'hui, on va signer une convention dans laquelle nous n'avons pas ces éléments. L'ACUS est une convention très, très importante, car elle traduit les choix stratégiques de l'OPH pour les 6 prochaines années. Un petit rappel quand même, le parc OPH aujourd'hui dans le, dans le Briançonnais et dans les Hautes-Alpes, pardon, c'est 3000, un peu plus de 5000 logements, dont 60%, je dis bien 60%, soit 3687 logements qui sont classés en catégorie E, F et G. On a parlé ce matin, et M. Viossa l'a dit aussi tout à l'heure, M. Fromm l'a dit également, le département réalise des efforts sur l'énergie. On ne peut pas cautionner que l'OPH ne fasse pas les mêmes efforts. Aujourd'hui, si l'OPH, dans cette CUS, propose la réhabilitation de 480 logements sur les 6 prochaines années. 480 logements des 3687 qui sont classés en passoires énergétiques, c'est seulement 13%. De réhabilitation. Et on ne sait pas quels logements vont être réhabilités. L'ACUS ne nous les donne pas. Il y a aussi des incohérences dans le rapport qui est fait par l'OPH. Par exemple, on nous dit 480 logements vont être rénovés. Si on prend les 274 logements de GAP et les presque 350 logements qui ont été annoncés pour le Briançonnais et la ville de Briançon, on a déjà dépassé les 480 logements. Donc là, aussi, on ne sait pas trop, et il y a vraiment des insuffisances, des incohérences dans ce rapport. On sait qu'un logement qui doit être réhabilité coûte 50 000 euros. Il faudrait demain, effectivement, que l'enveloppe qui est allouée à cette réhabilitation, à cette rénovation énergétique, soit d'au moins 184 millions. Nous n'avons aucun chiffre aujourd'hui dans la convention, et le département est très vigilant là-dessus, puisqu'il demande à ce qu'on amende cette convention plus tard. Mais nous, ce qu'on vous demande, c'est qu'on l'amende maintenant. Comment pouvons-nous signer une CUS qui est aussi un moyen de contractualiser avec l'État une convention sans avoir à la fois ni les éléments programmatiques, ni les éléments, donc on l'a dit tout à l'heure, financiers, et aussi quelque chose qui n'apparaît pas dans la CUS et qui est très important, c'est que la CUS doit normalement prendre en compte la concertation avec les locataires. Et on le sait, ces derniers temps, il y a eu de nombreuses montées au créneau des locataires, et on les comprend, puisqu'ils vivent dans de véritables passoires énergétiques. Et cette concertation qui est obligatoire dans cette convention n'apparaît pas non plus dans la convention qu'on doit signer. Donc aussi, Monsieur le Président, au regard de ces éléments, on vous demande de reporter cette convention. De toute façon, on est déjà en retard. Hein, la loi Elan devait approuver cette convention au 1er juillet 2019 et contractualiser avec l'État au 31 décembre 2019. C'est vrai que l'État permettait d'avoir un petit peu plus de temps. Donc, de toute façon, on a encore finalement un peu de temps. Prenons justement la possibilité de discuter avec l'OPH pour avoir les éléments qui sont justement soulevés dans ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Merci, Aurélie. Monsieur Murgia. Merci. Juste un petit commentaire. Madame Poyot, vous les connaissez quand même. Enfin, moi, je comprends bien que vous ayez des doutes, que le document soit flou. C'est comme tout document d'orientation. Mais vous en connaissez une réalité concrète. C'est 25% des logements à Briançon qui vont être rénovés, c'est-à-dire 230 logements. C'est historique. Ça n'a jamais été fait. Alors moi, je veux bien que vous vouliez discuter. Mais pendant 11 ans, vous étiez première adjointe ou adjointe. Vous avez discuté. Nous, on agit. Bien. Allez. Bah, pour l'information de l'Assemblée, je voudrais rappeler quand même qu'on est la dernière collectivité à ne pas avoir approuver cette CUS, parce que les services de l'État, enfin, tous ceux qui doivent donner un avis sur cette CUS l'ont déjà donné, l'ont déjà approuvé. On est la dernière collectivité à présenter ce rapport. Voilà. Madame Boyer. Oui, je
Je voudrais abonder sur ce que a dit Madame Aurélie Poyot. Les ambitions dans ce rapport ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre. Et en même temps, je pense qu'il serait préférable, effectivement, de reporter cette délibération de manière à ce que vous ayez le temps de discuter avec l'OPH 05 afin que les objectifs soient éclaircis et soient surtout augmentés. Et je voudrais revenir juste sur un petit détail. Je vous ai envoyé un courrier il y a quelques jours concernant, ou peut-être hier, il est parti d'ailleurs, concernant le guichet unique classé en diagnostic D. Donc, je vous ai demandé si vous envisagiez, boulevard Pompidou, le nouveau local que vous avez acheté, si vous envisagiez d'y faire des travaux de rénovation énergétique, ce qui me paraît très normal, et si vous avez évalué le coût de ces travaux. Voilà, j'espère que vous me répondrez à ce niveau-là, pas forcément aujourd'hui, mais ça me paraît quand même évident qu'un guichet unique pour renseigner les personnes sur la rénovation énergétique ne soit pas classé dans le diagnostic énergétique. Voilà, merci. Et je vais être obligée de vous abandonner, je m'excuse. Et je vous dis à tous bien. Au revoir et une bonne fin de session. Sur les locaux que nous venons d'acheter, mettre à disposition pour le guichet unique, le département en est propriétaire, mais sauf qu'on est dans une copropriété et qu'on ne va pas décider, nous, des choses pour la copropriété. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec le sujet qui est en débat. Ça n'a vraiment rien à voir. Bon, enfin, je suis désolé, mais ça n'a vraiment rien à voir. Madame Moustachy, vous voulez... La CUS a été élaborée avec les services de l'État. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Madame Dizier, vous voulez réagir? Merci, Président. J'aimerais insister sur le caractère social de la CUS, qui n'est pas seulement une programmation. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il y a quand même une programmation faite pour les rénovations énergétiques. Monsieur Murgien l'a rappelé. Mais l'OPH accompagne les locataires, accompagne les familles, accompagne les futurs locataires au travers de conseillères sociales, de surveillantes d'immeubles. Son objectif, c'est de loger les plus fragiles et ceux qui ont le moins de revenus. Je voudrais rappeler que les loyers de l'OPH sont les loyers les plus bas du département, 25% de moins que les autres bailleurs sociaux et 13% au-dessous des montants des loyers légaux. Je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut regarder aussi dans cette CUS. Bon, et peut-être que le plan de relance, Madame la députée, sera de nature à ramener un peu du baume au cœur, pour ne pas dire de l'argent frais, pour que l'Office public de l'Habitat puisse avoir un programme un peu plus ambitieux qu'il n'est présenté aujourd'hui. On vous l'a rappelé tout à l'heure, c'était un programme à minima qui a été présenté. Voilà. Pardon ? Continuer. Non, oui, effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que s'il y a des projets, s'il n'y a pas de projet de proposer, on ne peut pas porter les projets. Mais effectivement, nous attendons tous ces projets. Et j'espère que les objectifs seront ambitieux, ce qui évitera quand même de mettre dans la misère certains locataires, et Aurélie Poyot en a parlé. Parce que nous avons quand même des personnes qui ne peuvent pas payer les charges, notamment des charges de chauffage, parce que justement, ces bâtiments sont des passoires énergétiques, et ce n'est quand même pas aux locataires de payer ce qui ne leur incombe pas, c'est-à-dire le manque de rénovation énergétique dans ces bâtiments. Donc, nous attendons les projets, et oui, nous les porterons. Très bien. Monsieur Parra. Oui, Président, pour répondre juste à notre député, c'est qu'une aide de l'État sera la bienvenue. Et si l'État pousse dans ce sens-là, je pense que le département suivra aussi pour aider l'OPH. Et moi, je tiens quand même à mettre une petite prudence au niveau des interprétations par rapport aux notations. Vous savez que le département des Hautes-Alpes a beaucoup chauffé en électrique. Et l'électrique est très pénalisante, la notation en électrique, alors que vous pouvez avoir un logement qui est très bien isolé thermiquement, avec du double vitrage, avec l'épaisseur, ce qu'il faut, et avoir une notation déplorable du fait qu'on ait un chauffage électrique. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux. Je crois que cette notation, elle est en cours de révision, et ça serait bien qu'on la révise, parce que des fois, on arrive sur certaines incohérences. Merci. Très bien. Il n'y a plus de... Oui, Madame Dizier. Quelque chose, chaque fois que l'OPH fait des travaux, il fait intervenir des entreprises locales, et ça, c'est très, très important. J'espère. Bien, allez, je mets ce rapport au revoir.
Tout le monde a voté. Je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Viossa. Qui concerne donc sur énergie, forêt, climat, avec un décret tertiaire qui impose la baisse de 40% de la consommation énergétique pour les certains bâtiments tertiaires d'une surface de plus de 1000 m² d'ici 2030. L'appel à manifestation d'intérêt, donc l'AMI acté, action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, apporte les premières réponses opérationnelles aux obligations de ce décret. Le département et de nombreuses collectivités de Hautes-Alpes pourraient donc en bénéficier. Ainsi, il est proposé au département de candidater en tant que coordinateur et bénéficiaire et associer donc les collectivités intéressées via IT05. Aujourd'hui, on a un certain nombre de réponses favorables de la part des collectivités, une vingtaine aujourd'hui. Très bien. Des commentaires par rapport à ce rapport, il n'y en a pas, je le mets aux voix. Le rapport est adopté. Monsieur Cana, pour nous parler encore des infrastructures, des aérodromes. Moi, la présentation de ce rapport, c'est simplement pour faire des AOT à Air Aventure, qui est retenu pour le local A, la SARL Vélos Parachutisme pour le local B et I. Il appartient maintenant de passer les conventions correspondantes. Très bien. Je mets ce rapport aux voix. Il est adopté. Monsieur Canin, encore. Oui, c'est pour faire un amendement au contrat d'assurance qui nous dit sur l'ensemble des plateformes aériennes que sont là, RAS pour les 5 pays, compte tenu que nous avons fait des investissements. T'as pas mis le mal au micro. Modifier nos contrats d'assurance en rapport. Très bien. Pas de commentaires, je mets ce rapport aux voix. Tant pis pour eux. Merci. Allez, monsieur Canal, qui va encore acheter des terrains, hein, je ne sais pas où, là, au Pas de l'Ours. Les propriétaires dans le secteur du Pas de l'Ours nous ont sollicité pour nous vendre la totalité de leurs terres impactées par la route. Donc, au total, c'est 7612 m² que nous allons acheter pour une somme de 4000 euros. Bon, et on va planter des patates après-tu ? Bien, je mets ce rapport au revoir. Je vous remercie. Monsieur Cana. Je crois que je vous en ai parlé lors des propos sur les OB. C'est sur le désenclavement routier du département et notamment sur le sud, en liaison entre l'autoroute et la future OCA de Gap. C'est pour passer une convention qui sera signée par le président du département entre l'État et la région. Aussi qu'on remercie ces deux partenaires pour investir à peu près 30 millions d'euros pour créer une deux fois deux voies. Espérons que nous la verrons se réaliser. Très bien. Je mets ce rapport aux voix. Pardon, monsieur Conroux. Président, chers collègues, c'est bien évidemment que je soutiens la participation du département pour la modernisation de la RN 85 entre La Sauce et Gap, mais je ne voudrais pas que pour autant soit oublié ou renvoyé au calendrier grec l'aménagement de la RN 94 avec la mise en deux voies partielles. Cette route nationale qui relie le nord au sud du département est stratégique et je demande avec insistance à ce qu'elle figure également au CPER. Depuis des années, nous le réclamons, il serait temps que l'on passe aux actes. Et si nous étions cohérents avec nous-mêmes, nous devrions associer à cet équipement une voie cyclable digne de ce nom qui favoriserait une circulation douce,
tel que demandé de plus en plus par nos concitoyens. Merci. Très bien. Bien, on ne fera pas de commentaire sur ce commentaire. Je mets ce rapport aux voix. Je vous en prie. Par moment. À trois voix par moment. Très bien. Monsieur Cana. Ce matin, dans les orientations budgétaires, ce ne sera que des opérations de calibrage et on sera hors CPER. Bien, M. Murgia. Très rapide, mais à la fois pour m'associer à ce que vient de dire Jean Conraud, parce qu'on en a déjà longuement parlé il y a quelques années sous votre impulsion dans cette assemblée, président, sur effectivement la liaison sur la 94 et le sujet qui concerne l'ensemble des stations du nord du département et qui devient aujourd'hui, qui continue d'être aujourd'hui un vrai problème, et sur ces modes de financement qui rejoignent le CPER, c'est malheureusement le même sujet qu'on a eu sur les CPER précédents et là sur des projets bien particuliers. On est content hein, quand on sort le rond-point à Saint-Crépin ou demain la grande boucle à Briançon ou sur d'autres sujets. Il en reste tout de même que depuis la décentralisation, l'État il nous demande de financer le rail et les routes nationales tout en nous donnant moins d'argent pour faire nos départementales et nos compétences propres. Chercher l'erreur et après on nous explique que tout va bien. Oui, non mais sur le rapport qui a été présenté aujourd'hui, l'envergure du projet, parce qu'on ne peut pas employer d'autres termes, l'envergure du projet d'amélioration de la liaison entre la sortie de l'autoroute à Solt et puis Gap et Saint-Rocade pourrait être de l'ordre de 30 millions. Aujourd'hui, il n'y a aucun financement qui est acquis là-dessus. C'est simplement une opportunité qui a été lancée par l'État et la région sur les autoroutes du quotidien. Les autoroutes du quotidien, c'est pour améliorer la circulation aux sorties, aux entrées des autoroutes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a du mal, nous, à rentrer dans ce schéma. On a du mal à rentrer. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on appelle des bouchons sur la RN94, sur la RN942, etc., ce sont des bouchons, j'allais dire, conjoncturels de week-end l'été, enfin, surtout l'hiver et quelquefois l'été. Bon, on a du mal à rentrer dans les schémas de choix des orientations qui sont prises par l'État. La seule... Et bientôt, je vais faire une réunion pour présenter l'étude que nous avons faite sur la sortie de la 51 en direction de la 94, en direction du nord du département. Aujourd'hui, les gens qui font ces études, passant par le filtre des gens de la DIT à Paris qui font les choix stratégiques d'aménagement des routes nationales en France, ça ne les intéresse pas. Nous, nos petits bouchons du vendredi pendant l'hiver, ça ne les intéresse pas. Donc ils ne sont pas prêts à mettre le moindre euro, c'est comme ça qu'il faut le dire, le moindre euro sur les aménagements de la déviation de Talard, de l'Avance, de Chorges, du pont de Savine, et je ne parle même pas de la déviation de la Roche de Rame. Ça ne les intéressera pas, ils ne feront jamais rien de ce point de vue-là. La seule chose sur laquelle on peut-être demain améliorer la circulation, c'est effectivement depuis l'autoroute de la Solse, en venant vers Gap, parce que là, l'État est intéressé et la région aussi. Simplement pour nous, pour que le département des Hautes-Alpes soit un peu dans cette marmite des autoroutes du quotidien. Voilà, c'est simplement une opportunité que nous avons au travers du rapport qui a été présenté par Marcel Cana. Bien, allez, je mets ce rapport au voie. Pardon ? Non, mais la mise 75, elle n'a rien à voir dans cette affaire-là. Hein.
Voilà. Allez, je mets ça en bon revoir. Ah, on a voté ? Ah, pardon. Bien, le rapport suivant concerne un avenant où la convention qui lie le laboratoire départemental avec le CHICAS et les laboratoires de biologie médicale pour le dépistage de la COVID-19. Là. Donc, simplement, c'est pour accroître les capacités de traitement des tests pour cette convention qui venait à échéance. On la prolonge pour 6 mois jusqu'au 30 avril 2021 pour traiter 1500 tests par semaine, en plus des analyses vétérinaires que nous faisons habituellement. Voilà, donc un avenant supplémentaire pour prolonger cette collaboration du laboratoire avec le CHICAS et les labos. Pas d'observation, je mets ce rapport au voie. Je vous en prie. Attends, on va te donner la parole. Allez, on vote, voilà. Oui, une toute petite observation, à la fois pour saluer l'engagement du département avec le labo et nous féliciter vraiment de cet engagement fort, mais pour tout de même regretter à l'épreuve des faits que notre département ait été quelque part le parent pauvre des tests depuis plusieurs semaines, parce que quand on a des délais de test qui dépassent les 7 jours parfois sur certaines périodes et qu'on a des gens, notamment dans les administrations ou dans les entreprises, qui ont leurs résultats une fois même que de toute façon ils n'ont plus aucune chance d'être encore positifs si jamais ils l'étaient, ça malheureusement engendre des désordres extrêmement compliqués à gérer, et je crois que c'est vraiment très compliqué à expliquer à nos concitoyens qui entendent à la télé du matin au soir qu'il y a des tests et des millions de tests soi-disant partout, mais a priori c'est pas arrivé jusqu'à chez nous. C'est pas un reproche que je fais naturellement à nos centres hospitaliers qui font leur maximum, à nos infirmiers libéraux qui font leur maximum, mais force est de constater que malgré cette mise à disposition et l'engagement à nouveau de la collectivité départementale, on n'a pas été au rendez-vous et que, on le sait tous, si on ne peut pas faire de campagne de tests généralisés, on ne peut pas gérer cette situation. La réalité est que, dans le Briançonnais comme ailleurs dans les Hautes-Alpes, c'est, j'ai tendance à le croire et donc à le dire, que parce qu'on n'a pas eu cette capacité de test, que souvent on a laissé des situations et des clusters déraper, et c'est vraiment bien dommage que l'État n'ait pas été au rendez-vous, et les ARS en particulier, sur cette capacité de mobilisation, en tout cas pour notre département. Merci. Bien, allez, dans la vie locale, je vais passer la parole à Bénédicte Ferrotin. Merci. C'est Bernadette Soudemont qui devrait présenter cette délibération. Elle est empêchée. Elle la présenterait mieux que moi. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de la solidarité lors des orientations budgétaires, de la solidarité du département envers le monde de la culture. Et là, c'est un exemple. Qui est le soutien à tous les acteurs des arts visuels, les artistes, pour l'acquisition de matériel ou les frais de production qui sont destinés à la création durable sur notre territoire. Donc il s'agit de voter une enveloppe de 5 000 euros, sachant que chaque aide individuelle est limitée à 1 000 euros, et vous avez, à la fin de la délibération, les différents dossiers qui ont été proposés lors de la commission. Très bien. Pas d'observation, je mets ce rapport aux voix. Il est adopté. Bénédicte Ferrotin, toujours. Oui, merci, Président. Donc, il s'agit d'une action de la bibliothèque départementale avec la co-signature d'un deuxième contrat territoire lecture avec la communauté de communes de Serre-Ponçon, qui était la toute première communauté de communes à signer un contrat territoire lecture et qui s'est engagé à travailler la question de la lecture publique à l'échelle de son territoire. Donc ce premier contrat territoire lecture a permis aux différents acteurs de travailler en réseau et d'accroître la portée de leurs actions culturelles. Et le deuxième contrat territoire lecture permettra d'amplifier encore les actions partenariales, et notamment en mettant en place un outil numérique qui sera commun et également mutualiser leur public de lecture publique à l'échelle de ce vaste territoire. Parfait. Pas d'observation, je mets ça en revoi. Merci. Madame Grenier, vous avez la parole.
Allez, vous l'avez. Donc il s'agit de l'évolution des critères d'intervention pour le Fonds commun des services d'hébergement. Donc le Fonds commun des services d'hébergement est destiné à couvrir les besoins du service d'hébergement d'un établissement scolaire. Il était jusqu'en 2015 abondé par les cotisations des établissements et en 2016, le département a souhaité supprimer ces cotisations. Donc afin de pouvoir liquider les crédits encore disponibles, qui correspondent à 36 198 euros, le département souhaite faire évoluer les critères d'intervention. Il est donc proposé d'abroger le montant plafond de 4 500 euros par opération et de répartir les crédits sur les 10 collèges ayant un service de restauration au prorata du nombre de demi-pensionnaires. Voilà, Président. Très bien. Pas d'observation sur ce rapport, je le mets aux voix. Merci. Je vais donner la parole à Patrick Ricou là, pour quelques rapports qui concernent les finances des garanties d'emprunt. Donc, à travers ce rapport, il vous est proposé d'intégrer une modification des conditions d'emprunt que la société 3F Sud avait réalisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que nous avions en son temps garantie, puisqu'ils font une modification de leur contrat de prêt, en ce sens où ils transforment leur prêt des prêts à taux variable en prêts à taux fixe. Donc, avec cette délibération, on intègre cette modification qui porte sur un montant de prêt garanti de 630 014,58 euros. Très bien. Pas d'observation, je mets ce rapport en voie. Merci. Le rapport suivant, Monsieur Ricou. Donc, il s'agit d'accorder la garantie du département à la société 3F Sud, qui nous sollicite pour une garantie de 50% sur un prêt global de 929 528, sur un montant garanti de 464 764 euros, des emprunts à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui sont destinés au financement de l'opération Îlot Théâtre. Donc, il s'agit de la construction neuve de 7 logements locatifs situés rue du Théâtre à Briançon. Pardon, Ambrun, excusez-moi. Arnaud. Bien, si je mets ce rapport aux voix. Pardon ? Oh, pardon. Madame Chauvet. Bon, juste un petit mot pour vous expliquer que c'est un PLS. Et que pour moi, le PLS, ce n'est pas du logement social. Ce sont des loyers qui sont très hauts. Je voulais juste alerter les communes, si vous en êtes dans ces statistiques-là. Les PLS, il faut éviter d'en faire dans le logement social parce que c'est très cher. Le revenu est pris pour des gens qui sont très hauts. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les loyers dans les PLS sont très hauts. Voilà, et pour les Hautes-Alpes, c'est pas vraiment significatif, il ne faut vraiment pas le faire. Et je m'en suis plaint déjà auprès de la DDT pour faire remonter ces informations. Voilà, je m'abstiendrai donc sur cette délibération. Très bien. Allez, je mets ce rapport au voie. Je vous remercie. Le rapport suivant, toujours Monsieur Ricou. Donc, ce rapport concerne un prêt sans intérêt que nous accorderions donc au profit de la ville de Briançon pour lui permettre de faire face à des difficultés, notamment à l'égard de la société publique locale de l'eau, et également des difficultés concernant le centre international de préparation physique en altitude. Donc, c'est une avance de trésorerie. Nous avions inscrit, si vous en souvenez, les crédits nécessaires en DM3 lors de notre précédente session, une avance de trésorerie de 800 000 euros, remboursable en 5 échéances annuelles, 260 000 euros chacune, à compter du 31 octobre 2022. Très bien. Des commentaires sur ce rapport ? Très bien. Ben, je mets ce rapport au vote. Monsieur Mérogé, vous la parole ? Appuie, voilà, vous l'avez. Merci. Bon, j'ai deux questions à vous poser. On nous parle d'un déficit constitué de créances diverses
Je ne sais pas desquels il s'agit. On n'a pas eu de document sur la question. Donc je ne sais pas comment on peut apprécier la chose. D'autre part, on nous parle de 800 000 euros pour la SPL. La SPL est une société. Je vois mal comment le département peut prêter à une société. Ou alors, est-ce que les 800 000 vont servir à une augmentation du capital de la SPL ? Enfin, il y a tout un tas d'éléments ici qui m'interrogent et sur lesquels j'aimerais avoir des réponses. Monsieur Murgien. Je vais les apporter avec plaisir. La délibération, c'est une avance de trésorerie à la ville qui, derrière, effectivement... Pardon, vous m'entendez pas ? Si. C'est une avance de trésorerie à la ville et pas à la SPL, monsieur Fromm. Et donc ça ne pose absolument aucun problème. Et ce sera probablement une avance de trésorerie de la ville ou une augmentation de capital. Et très sincèrement, sur les 3,5 millions, si vous ne savez pas d'où ils viennent, c'est quand même inquiétant vu que c'est quand même l'ardoise que vous nous laissez. Vous le savez très bien, depuis 2 ans, la SPL a cessé de payer tous ses créanciers. Et en 31 décembre 2019, sous votre présidence, monsieur Fromm, on devait, en l'occurrence, la SPL des eaux, plus de 500 000 euros à la commune de Monetti à qui on ne remboursait pas l'eau qu'on facturait pour elle, quasiment 500 000 à Villers-Saint-Pancras et plus de 2 millions à la Serque Suez à qui on a tout simplement arrêté de payer les factures. Monsieur Fromm, je ne rentrerai pas dans ce débat avec vous. Vous savez pourquoi ? Parce que pour qu'on l'ait, il lui fallut que vous ayez le courage de siéger dans l'opposition à la ville, donc je m'en tiendrai au débat avec Madame Poyot. Et très sincèrement, sur ce débat, la seule chose que vous devriez donner au Briançonnais, ce sont des excuses. Bien. Je vous en prie. Je trouve d'abord qu'il est bizarre que M. Murgien soit resté dans la salle sur un débat sur lequel il va influer. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est votre présence qui a à voir. Et vous le savez très bien. Mais non, ça ne m'embête pas du tout parce que vous dites que des âneries. Donc, mais allez-y quand vous voulez, monsieur Murgia, quand vous voulez. Je suis votre homme. Je disais simplement, monsieur le président, que là, aujourd'hui, on nous parle de problématiques pour la SPL et on prête de l'argent à la mairie pour la SPL. Expliquez-moi. C'est tout. Alors. Écoutez, le rapport consiste simplement à faire une avance de trésorerie à la commune de Briançon. Pourquoi vous citez la SPL ? Qu'est-ce que la SPL vient faire dans un prêt à la commune de Briançon ? Moi, je n'ai pas d'élément de réponse, mais... Conseil départemental prêté aux sociétés. Et on ne prête pas une société, on prête à la commune de Briançon. Monsieur Rigou. Je crois que le rapport, il explique l'origine des difficultés de trésorerie que connaît la ville de Briançon, qui sont liées à la situation de la SPL, qu'il faut effectivement que la ville... Sous quelle forme, il ne nous appartient pas d'en juger. Hein. Récapitalisation, avance de trésorerie, c'est une gestion qui sera propre à la mairie dans laquelle le département n'a pas à intervenir. Mais nous avons un interlocuteur, c'est la ville. Qui, de la même manière que lorsque Rizoul nous avait saisi en son temps, nous faisions, c'était consécutif aux difficultés liées à la mise en redressement et en liquidation de la Sarraie et de la Sermon. Enfin, voilà, nous expliquons l'origine des difficultés de trésorerie. Aujourd'hui, donc Briançon connaît une difficulté liée à cette situation qu'il faut. Et donc le département est aux côtés de la ville de Briançon, mais nous n'interférons pas dans les relations entre la ville de Briançon et la SPL. Non, mais c'est les... Sur base, vous vous fondez. Est-ce que vous avez un document ? Et est-ce que les élus qui sont présents dans cette salle ont un document pour apprécier ce que nous dit le rapport ? Non, mais est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de dire c'est 3 millions, c'est 4 millions, c'est 5 millions, les 500 000 et autres dont a parlé M. Murgia tout à l'heure, alors qu'il n'avait pas à intervenir, mais bon, c'est encore un autre aspect des choses. Mais ce n'est pas la question de voter, madame. Ça n'a rien à voir. Pour les orientations, le compte administratif, le président sort. Voilà, point. En fait, ce sont des arguments. Madame Chauvet, alors moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que
Nous votons et vous nous demandons de voter sur une délibération dont vous faites des affirmations qui ne sont pas, à mon avis, fondées, prouvées aujourd'hui, contrairement à ce que pense ou dit M. Murgia. C'est son problème. Quand il parlait tout à l'heure des 500 000 sur Monétier, des 500 000 sur Villers-Saint-Pancras, c'est faux, ils sont payés. Donc, non mais, donc ça, ça va maintenant. Monsieur si vous voulez qu'on ait ce débat ici, vous l'avez déjà dit, Monsieur le Président, si vous voulez qu'on ait le débat, on donne tous les outils à tout le monde et on en débat. Moi, mais non, mais on débat aujourd'hui d'une aide qui nous est demandée par la commune de Briançon, justifiant un certain nombre d'états de fait dans les difficultés que la commune rencontre aujourd'hui. Et on nous demande simplement une avance trésorerie de 800 000 euros que je vous propose. Non, on ne parle pas de la SPL. Ça fait partie des considérants. La motivation de la demande de la commune de Briançon, c'est tout. Voilà. Donc on n'est pas là pour juger de la pertinence ou des difficultés financières que pourrait rencontrer telle ou telle société relevant de Briançon. Simplement, c'est pour aider la commune de Briançon dans ces difficultés qu'elle rencontre. Bon. Pardon ? Notamment ? Peut-être, mais peut-être. Voilà. Mais je conçois que ce soit difficile. Et puis moi, je ne veux pas que ça fasse un débat briançonné, parce que ce n'est pas ça. Ici, le département, on intervient, nous, à la demande du maire de Briançon, pour leur donner un coup de main, comme on l'a fait, comme Patrick vient de le rappeler sur Rizoul, et comme on va le faire dans deux minutes pour Chaillol et le syndicat mixte du Champsaur. Voilà. Après, les problèmes financiers des uns et des autres, ils sont réglés au bon niveau. Et ce n'est pas le niveau de cette assemblée pour régler ces problèmes financiers à Briançon ou au syndicat mixte du Champsaur. Bon. Allez, je mets ce rapport aux voix. Allez, tout le monde a voté. Je vous remercie. Donc le rapport suivant concerne, et Patrick Cricou en a déjà longuement parlé, le prêt sans intérêt aux stations village du Champsaur. Pardon ? Syndicat mixte. Oui. Donc, M. Rico en a parlé quand il a parlé de la DM4, donc la vente de trésorerie au syndicat mixte des stations du Champsaur à hauteur de 50 000 euros. Voilà. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 50 000 euros. Ils ont des difficultés. Bien, je mets ce rapport aux voix. Rappelez M. Rico, là, qui... Voilà, merci. Bon, le rapport suivant, c'est ce qui a été aussi évoqué tout à l'heure, c'est le prêt d'intérêt à la commune de Rizoul, à la hauteur de 400 000 euros. Patrick, je suis en train de présenter ton rapport, là. Bien, ça ne demande pas de commentaires particuliers. On l'a évoqué tout à l'heure lors de la DM4. Pourquoi ça résonne, là, tout d'un coup, là ? C'est à cause de l'heure ? Bien, sur ce rapport, je le mets aux voix. Eh bien, tout le monde a voté, là ? Merci. Le rapport suivant concerne des représentations à des organismes extérieurs et notamment à IT05 suite au renouvellement du conseil d'administration. C'est pas moi qui ai des acouphènes. Tout le monde a des acouphènes, là. Ah, vous me rassurez. Bien, donc ce rapport concerne la modification donc à IT05 au sein du Conseil national de l'action sociale avec Madame Valérie Garcin-Méou. Et puis au sein de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains. Donc cette délégation est confiée à Madame Patricia Vincent. Au conseil d'administration du centre de gestion, donc suite à son renouvellement avec
moi-même et Carole Chauvet comme titulaire, et Patricia Vincent et Béatrice Alozia comme suppléant. Voilà, je mets ce rapport aux voix. Et enfin, le dernier rapport concerne la mise en place d'un contrat collectif complémentaire santé. Donc je rappelle que depuis 2013, la collectivité participe au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents. Par délibération du 29 septembre 2020, le département mandate le Centre de gestion des Hautes-Alpes pour conclure en son nom une convention de participation mutualisée. Après la mise en concurrence qui a été opérée, la MMT a été retenue. Donc il s'agit à présent de définir les modalités de mise en œuvre sur le dispositif. Pas de commentaires. Je mets le rapport aux voix. Il est adopté, je vous en remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil départemental. Je vous propose de suspendre, on termine la séance, et dans 5 minutes, nous reprenons et nous faisons la commission permanente. Merci à vous tous.